Bonsoir, bonsoir Internet, bienvenue. Alors, est-ce que le son fonctionne correctement? Je vais vérifier. Hop là de suite. Fonctionne correctement, je vais vérifier. Mais c'est merveilleux, le son fonctionne. Bienvenue, bienvenue. Je suis Laurent, je suis votre streamer préféré. Je fais des lives sur le social, le médico-social, la culture, le divertissement et plein d'autres sujets absolument merveilleux et passionnants. Et ce soir, nous avons un invité de marque, les amis, nous avons un invité de marque. On va parler culture, soirée, musique indé avec Hollywood Burns. Je viens de lire littéralement ce qui est marqué devant mes yeux. La bonne ambiance. Donc voilà, merci beaucoup d'être venu. Si vous voyez ce live sur YouTube, vous êtes nombreux à voir ça. Vous êtes 3 à 4 fois plus nombreux à voir les lives sur YouTube plutôt que sur Twitch. Donc venez sur Twitch, vous pourrez échanger en direct avec les invités, ce sera beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et voilà. Et si vous ne connaissez pas Hollywood Burns, eh bien, écoutez, ça va être le moment pour vous de découvrir quelque chose d'absolument extraordinaire. Bienvenue Gringo de la Flanders Company, le quota ethnique de la série Flanders Company. Et parmi nous ce soir, les amis, écoutez, je vous propose qu'on accueille Emeric de suite, qu'on vous fasse pas patienter plus longtemps. Bonsoir R. Danel. Alors attention, est-ce que ça marche? Bonsoir Emeric, bonsoir Hollywood Coucou. Burns, bonsoir. Comment on t'appelle ce Salut. soir? On t'appelle Hollywood ou Emeric? Attends, j'ai vu que dans tes sous-titres automatiques, il y a écrit Hollywood Birds. Ouais. Du coup, ça sera Hollywood Birds. Hollywood Voilà. Burns, yeah. Hollywood Non, Burns. Emeric, t'inquiète. Instagram est down, eh Ah oui, ouais, on peut pas faire de story. vous ne Je pouvez peux pas pas faire faire de de story pour propagande annoncer. pour partager le stream. C'est pas grave. Bingo. C'est la vie, écoute, j'ai l'habitude, hein, j'ai l'habitude des loses. Gringo, dis-nous, est-ce que la balance entre mon son et celui d'Emeric est bonne ou est-ce qu'il faut que j'augmente un petit peu son son? Dis-nous tout. Regarde, je parle. C'est pour la démo. Eh oui. On va attendre le retour parce que. Ouais, le retour de notre technicien. Alors, oui, Emeric parle. Regarde, je parle. Parle plus. D'accord. Il faut que je parle plus. Eh bien, je parle plus. Et moi, je parle aussi. Y a-t-il l'un d'entre nous que tu entends plus que l'autre? En termes de volume? Suspense? Les 3 secondes de lag de Twitch? On adore, on adore, on adore. Monte Monte un un peu peu. plus son son. Ok, Ah, on va monter bim. mon son. Hop là, j'augmente le son d'Emeric. Est-ce que là, c'est bon? Vas-y, parle, Emeric. Oui, pardon. Là, je parle. Là, Et on est au coucou, même c'est niveau tous moi. les deux à peu près. Yes, ça Et ça est. devrait le faire. Trop bien. Yeah! Yeah! Donc voilà, au top. Oh, j'en attendais pas tant. Merci Gringo. Gringo qui est mon modérateur de l'extrême également. Hein, voilà, il a la petite épée. Incroyable. Comme ça, s'il y a des gens malveillants, voilà, on sera préservé. Mais non, Non. on est bien entouré ici, on est en bonne compagnie Que de la avec bienveillance. que ce soit dans le chat ou dans les. Oh là, il y a Malikilai qui lance un raid de 75 personnes. Bienvenue! Bienvenue! Quoi? Vous êtes arrivé Les pile Marie poil au moment où on a géré le Pinos son. qui sont là. Vous arrivez au meilleur moment. Boum. J'espère que Ouais, Marie en plus, est là plus aussi. grand. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup pour le. Coucou. Ah, elle est là en plus. Génial. Génial. Donc, par où commencer? Hollywood Burns, Dis-moi. monsieur, ravi de vous accueillir ce soir. Mais vraiment, on peut t'appeler par ton prénom ou pas? Parce que. Ben oui, appelle-moi Emric. Ce serait trop bizarre. Bonjour, monsieur Hollywood. Monsieur Hollywood, comment. Représentant des studios américains. C'est comme ça. Donc, je suis super content parce que ça faisait longtemps que je voulais faire ce live. Parce Ouais. que tu fais plein de trucs, tu composes, tu fais des clips, tu fais Ouais. plein de trucs et tu fais des loleries sur YouTube aussi. Et Ouais. Il se trouve qu'il y a quelques temps, t'as sorti un clip et je me suis dit, bah là, si je le fais pas maintenant, voilà, parce Oui, qu'il faudrait qu'on mette un petit peu les projecteurs on est d'accord, sur c'est un bien. petit quelque chose que. Tu m'as dit, Laurent, tu peux venir tourner dans un clip, tu vas te faire Oui. désintégrer par un alien qui a un rayon laser steampunk. Moi j'ai dit ouais. J'ai dit Oui, ouais. auquel Marie Kigaï, présent dans le chat, a également participé. Et également, tout le monde a participé, donc. Ouais, je crois que tout le monde a participé à ce Donc clip, en fait. voilà, est-ce que. Je sais pas que. Alors, je voudrais te laisser un peu la parole, que tu te présentes toi-même, parce que je pense que
tu fais tellement de trucs que je pense que je connais que la moitié de ce que tu fais, en fait. J'en découvre toutes les semaines sur toi. Et puis après qu'on se regarde déjà le petit clip, quoi. Comme ça, ouais, après, on pourra rembobiner un petit peu la cassette de ta vie et puis refaire un peu le parcours que Aymeric Le Vardon, sa vie, son œuvre, voilà. Ok, attends, tu veux que je me présente? Mais en fait, t'as déjà tout dit, hein, techniquement. J'ai mon projet de musique électronique qui s'appelle Hollywood Burns. À côté de ça, beaucoup de vidéos, parce que moi, je viens de la vidéo. Parce que même là, comme on s'est connus, nous, ouais, il y a les web-séries sur lesquelles on a bossé ensemble à l'époque, et au moment, et Gringo dans le chat aussi. Enfin, c'est là qu'on s'est tous connus, d'ailleurs. Ouais. Sur Flanders Company. Parce que moi, j'étais très lié à No Life à une époque. J'ai des dossiers qui sont prêts. j'ai la main qui tremble, là. J'ai envie de balancer plein de trucs, là. Voilà. Essentiellement. Écoute, ce que je propose, c'est en heure d'œuvre, avant qu'on arrive sur les dossiers qui tâchent, déjà, on va essayer de rendre hommage un peu à ta toute dernière prod, en fait. C'est sorti quand, le clip? Le clip, il est sorti à peine plus d'une semaine, en fait. À peine plus d'une semaine. Ouais. Je vous propose qu'on le regarde. En plus, on aura les réactions d'Emeric en direct. Les pauvres gens qui viennent chez Marie, qui l'ont peut-être déjà vu, du coup. Ouais, bon, il dure 2 minutes, 3 minutes, un truc comme ça. Ouais, il dure pas longtemps. Yes. Donc, hop, je mets en pause, je passe sur la scène, React. Ah oui, du coup, on parle d'un clip dont j'ai fait la musique, ouais, que j'ai co-réalisé, enfin, donc réalisé, co-réalisé, avec mon pote Ben, du coup, Benjamin Landau. Yes, on va en reparler juste après, on regarde le clip tout de suite. Hop là. Vas-y, tu veux que je meuble? Est-ce qu'il faut que je meuble? Non, c'est bon, c'est parti. Non, c'est bon. Casque là, je suis en train de gifler. Toi un peu moins, tu l'as entendu 1000 fois quand t'as fait le montage. Oui, pour moi c'est une bonne chose. Voilà.
quel talent. Merci, c'est gentil. Et du coup, ah oui, il y a un truc que je peux préciser, le protagoniste hors alien qu'on voit, donc c'est Ben, c'est lui qui a co-réalisé avec moi le clip. Yes. La star du clip, c'est lui. Wouh, ça décoiffe. Comme tu dis, c'est chaud cacao. C'est chaud cacao. C'est chaud cacao. C'est chaud cacao. Bah voilà. Il a osé. Yes. Donc ce clip, c'est le dernier qui est sorti. Ouais. C'est le premier single du coup du prochain album qui sort en novembre, le 12 novembre. 12 novembre. Ouais. Donc on note sur les agendas. Et donc ouais, donc moi j'ai une moustache et je me fais désintégrer par un alien oui. Et tu tues aussi toute ta famille, hein, Et vous avez rencontré toute ma famille littéralement parce que tout le monde était à l'image. Il y a ta maman, ton papa, oui, les parents, il y a les cousins, il y a mon frère aussi que je tue. J'ai tué toute la famille. Voilà. Et il y a aussi donc les décors. C'est un décor où tu avais déjà tourné. Alors peut-être que t'es pas allé dedans, mais c'est pas encore en ligne en fait. Hein. Peut-être qu'il faut pas qu'on en parle. C'est un truc d'Alex Pilo. Non, ça faut pas en parler. Le truc où t'as une voix bizarre, voilà, on en parle pas encore, Non, mais par contre, le décor, ce qu'on peut dire, c'est que donc c'est un musée, c'est un ancien accélérateur de particules, le musée, c'est un endroit qui est ouvert au public, mais c'est surtout un endroit qui a accueilli beaucoup de tournages, parce que les Rivières Pourpres 2 ont tourné là-bas, le Visiteur du Futur a tourné là-bas, il y a encore d'autres choses que j'ai oubliées. Mmh. Donc beaucoup de trucs, et on a eu la chance d'avoir cet endroit gratuitement qu'on nous a prêté. En 3 jours pour faire ce clip. Oh yes. Ouais. Sachant qu'évidemment, comme on n'avait pas de thunes, on n'aurait pas pu recréer ça en studio, t'imagines bien. Il y a Gringo qui dit si vous avez un secret, vous savez maintenant à qui ne pas le dire. Mais non, je sais pas moi. Un peu, hein. Non, oui, il y a des projets secrets. Il y a des projets secrets. Mais qui sont bien, toi, non, c'est normal. Oui, on attend. Après, il faut faire la liste, il faut dire ça, faut pas en parler, ça, il faut absolument en parler pour faire de la promo. Mais justement, on a parlé d'Alex Pilo, la chaîne No Life. Oui. C'est un peu par ce truchement qu'on s'est connu, parce que c'est la Flanders, mais s'il n'y avait pas eu No Life, concrètement, la Flanders n'aurait pas existé, parce que la Flanders, à la base, a été produite pour No Life. C'est vrai. Et t'as commencé à arriver sur No Life. Tu bosses avec Rudy sur des projets avant d'arriver à No Life ou c'est l'inverse? Oui, c'est ça. En fait, moi j'avais bossé sur Flanders Company. Alors d'abord sur Noob et ensuite sur Flanders Company. Okay. Avant de rentrer à No Life, donc autour de 2011. Et ensuite je suis rentré à No Life en 2012. Mmh. Et c'est grâce à Rudy, parce qu'à l'époque je cherchais un stage. Et Ah ouais, à l'ancienne quoi, d'accord. Ouais, et c'est Rudy qui avait envoyé un mail à Alex Pilote, donc à l'époque. Qui disait, hey, ce petit jeune là qui recherche un stage, ça vous dirait pas de le prendre? Et à l'époque, j'ai fait un stage en arrière et plus tard, j'ai bossé avec eux. Gringo qui dit Rudy, supérieur à Hall. Tout le monde. Supérieur à tout. Bah oui. Non mais tu vois, regarde, on parle. C'est même plus ça, la peine de dire Rudy supérieur à tout, tu dis juste Rudy. Voilà, c'est. Voilà. Mais tu vois, même avant de rentrer, j'avais rencontré Caro. Toi et puis Grico dans le chat et tout sur Flanders à l'époque, mais c'était avant No Life. Ah, c'est ouf. Et No Life, où j'ai fait du montage vidéo essentiellement et j'ai fait un peu de musique parce que j'ai composé des génériques, notamment tous les derniers génériques de chez Marcus. Yes. Et il y avait aussi, alors il y a tellement de trucs là, je suis en train d'essayer de m'envoyer un lien parce que là Facebook est down. Ouais. Je vais essayer de m'envoyer un truc. Non, parce qu'il y a un truc que tu m'avais fait pour moi. Ah, est-ce que tu parles de ton émission que tu avais faite Ouais, pour Japan FM, il y avait aussi ça. Japan FM, oui. Tu as fait une émission sur Japan FM, ouais. Donc j'ai fait le générique, c'est vrai. Et il y a trop de trucs. Salut Suzuka, dans le chat. Il y a Suzuka qui est là. Alors, c'est pas la Suzuka. C'est la Suzuka. Bonsoir Suzuka. Oh, mais marrant, c'est un pseudo qui fait plaisir. C'est un pseudo qui fait plaisir. Hop là, tac. Et on a fait ça. Et attends, avant ça, parce que là on parle de Flanders et tout, mais je t'ai dit, avant tout ça, avant les No Life, avant les Flanders, il y avait sur nous où j'ai fait des trucs. Parce que à l'époque. Avec Fabien et tout ça Avec Fabien, avant même de vous rencontrer sur Flanders, je me souviens. En fait, c'était. Donc il y a une époque, Fabien Fournier, donc réalisateur de Noob et créateur de Noob, avait lancé un appel à des compositeurs de musique pour avoir des musiques originales sur Noob. C'était vers 2010, un truc comme ça. J'étais encore au lycée, je me souviens que j'avais répondu à ce truc.
et que j'avais fait puis du coup des musiques pour Noob, c'était vers la saison 3. Et du coup c'était ma première entrée dans les séries No Life à l'époque et les web-séries. Et quand plus tard j'étais en contact avec Rudy, c'était pas longtemps après, c'est comme ça que c'est comme ça que j'avais abordé en mode est-ce que tu voudrais des musiques pour Flanders Company, des musiques originales. Et finalement je suis resté surtout pour faire de la vidéo avec lui, Rudy, j'avais aidé à filmer, à faire du son aussi, et il a un peu de light. Yes, trop de trucs. Et il y a aussi des projets, parce que t'as été à No Life et très très vite, tu t'es lié d'amitié avec deux énergumènes là, qui ont fait pas mal de péripéties sur No Life. Avec Medoc et Muguri. Ouais, je crois que c'est ceux qui ont été les plus productifs avec Davy Mourier et toute la team. On peut dire que c'est le duo qui les a remplacés, en tout cas dans le cœur des gens, j'en sais rien. Ouais. Mais on a essayé de développer une série ensemble, donc il y a un pilote qui existe encore sur internet. Bah attends, j'ai ça. Tu rigoles ou quoi? Attends. Est-ce qu'on se mate le pilote? Est-ce qu'il y a... Si tu veux. Après le pilote, on va pas se le mater en entier, mais l'intro. Wow. Rien que l'intro, elle est ouf, et après on va regarder. L'intro, elle est rigolote. L'intro, elle vaut le coup. Attends, où est-ce que je l'ai mis de côté celui-là? Hop. C'est un truc qui s'appelait Ghost Gone Wild. Ah oui, bah attends, faut que j'en parle un petit peu avant. C'est un projet qui s'appelait Ghost Gone Wild. C'est un projet de série que j'avais d'abord eu, qu'on a développé ensemble, qui parle chasseur de fantômes. Donc. Attends, Noob, c'était pas une commande No Life également? Noob, c'était pas une commande No Life. Ah, attends, quoi que. Bah attends, Noob, non, c'est le reboot d'une série, c'était Lost Level. Donc en fait, ils faisaient Noob bien avant No Life, mais peut-être qu'ils ont fait un reboot de Lost Level pour. Que ce soit diffusable sur No Life pour je crois que c'était le cas. Mais je ça faisait déjà 5 ans ou plus qu'ils faisaient déjà le même type de série. D'ailleurs, c'est les mêmes pseudos en fait. Tu vois, Lost Level, c'est les mêmes pseudos, c'est les mêmes acteurs. C'est tout pareil. Oui, d'ailleurs, parce qu'on parlait de Flanders, j'ai pas dans Flanders. Ouais, oh là, il y a trop de trucs là. On prend dans quel ordre? D'abord, Ghost Gone Wild. Bah, si tu veux revenir à Flanders et tout, ça se passe avant, donc peut-être ça vaut le coup d'en parler avant. Flanders, on parle de la Parce Flanders. Que je te dis, Ghost Gone Wild, c'est déjà après, on est déjà en 2014. On passe un petit extrait de la Flanders. Allez, bon, c'est la saison 4. Les gens veulent me voir dans Flanders me faire déchirer l'anus par... On a le droit de dire anus? Je sais pas, écoute, c'est de l'anatomie, hein, c'est pas un gros mot. Non, alors, ça, dans le jingle, ça c'est non, par contre. Ça, non. Alors les enfants, elles vous causent du tort, les méchantes fifilles. Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Ça te plaît? On dirait un cosplay raté de Catwoman. Jalouse. C'est sûr que ça doit vous changer de la magie chamboursée. Oh, wow. C'est nouveau ça? Bah faites gaffe, on l'a jamais affronté celui-là. Tu chantes aussi. Ah, je me sens toute chose. C'est comme s'il suçait notre bonne humeur. Ça tombe bien, j'en ai pas. Mais cette musique est atroce. J'ai l'impression de me faire violer le cerveau. La souffrance par la mauvaise musique. Erreur fatale. J'ai déjà combattu un individu capable de vous vriller les tympans avec les plus mauvais airs de la planète. Et je sais exactement comment châtier ce genre de vermine. Doom cosmique. Fist. Voilà. Ah oui. Bah... Voilà. Bon, je me suis fait déchirer l'anus par Fred. Je sais pas si on met la suite. Non, après, de toute façon... Après, je sais pas vous, mais je sens que ça va être une bonne journée. Voilà. C'est la Flanders Company. Je crois que c'est peut-être ma seule apparition en Flanders. Rudy m'a invoqué juste pour ça, tu sais. Parce que j'étais le seul jeune à l'époque qui l'avait sous la main. J'ai envie d'expliquer un peu le contexte, l'épisode et tout ça, mais en fait, non, c'est encore mieux comme ça. Débrouillez-vous avec ça. Moi j'ai encore l'arrêt sur image parce que voilà, j'ai changé de scène et j'ai toujours la tête de Fred recouverte de jus de framboise, voilà, de faux sang. Et donc, oh la vache, ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Mais c'est vrai qu'à la base sur Flanders, j'ai surtout fait du cadre, de la lumière et du son.
À part Oui. ses petites apparitions. Ouais, c'est Rudy, il aime bien faire passer tout le monde devant la caméra. Même Hélène Oui, mais surtout, a il est fini dans par des. atterrir devant la Il est caméra dans un en petit jeune Wonder sous la Madame. main. Ouais. Donc, Flanders, Ouais. son lumière, enfin, perche, tout ça, hein, en Ouais. post-prod aussi, tu disais un peu en post-prod pour la Flanders ou. J'ai fait, alors, j'ai rapidement fait des musiques sur Flanders, mais en post-prod, c'est le seul truc que j'ai fait. Ouais. Mais il y a quelques épisodes Parce de que la saison Rudy fait 4 avec de la beaucoup de musique choses, originale que j'avais faite. Mais tu sais, à l'époque, j'étais jeune, j'avais genre 18 ans, je crois, ouais. 19. C'est vrai que c'est. Attends, je regarde C'était il y a longtemps. le truc, cet épisode-là. Attends, est-ce que j'arrive à voir le. Mais YouTube, ça sera pas l'année de Ouais, non, parce que ça a été diffusion sur hébergé quand Drive. Watt a fermé, donc ouais. Mais la C'est vers Flanders, c'était 2012, 2013, un saison truc 2, comme c'était ça. 2009, 2010, 2011. C'était ouais, vers 2011, 2012, par là, pas. Ouais, c'est vers 2012. C'était il y a C'était il y a longtemps. 10 piges. C'était il y a 10 Ouais, piges. ouais. Je t'ai dit, moi je sortais du lycée à l'époque. Aïe, aïe. Donc on disait, t'as rencontré. Ouais, c'était début No Life, Flanders, c'est Ouais. grave. Et après, donc Et on oui, disait. après avoir participé à des séries, j'ai essayé de créer mon truc aussi, tu Alors, vois, un petit alors là, on passe sur Ghost Gun White, c'est peu. ça? Ouais. Bah du coup, oui, moi j'ai bossé du coup après ça, je fais du montage vidéo à No Life grâce à Rudy, comme je disais tout à l'heure. Et donc j'ai bossé plusieurs années à No Life. Bonsoir Monsieur Knight dans le chat. Et du coup, c'est là où j'ai rencontré Medoc et Moguri à l'époque. Bonsoir On a bossé Knight. ensemble sur du sketch, beaucoup pour l'antenne, parce qu'on a fait plein de sketchs pour Atikatik, pour... j'ai oublié le nom des émissions de sketch qu'on a fait, mais en gros on a tourné beaucoup. Et quand j'ai commencé à développer ce projet de série, ils m'ont rejoint et on a bossé sur un truc ensemble, dont il reste un pilote qu'en fait on a voulu présenter à des chaînes de télé. Alors évidemment qu'on a présenté à No Life à la base, mais No Life, parce que c'est une époque où ils cherchaient à voir s'ils pouvaient aussi produire du contenu, vraiment du contenu vraiment produit de type fiction, on irait chercher du financement ailleurs, etc. Ça s'est pas fait parce que c'est compliqué. Donc on a présenté à d'autres chaînes, enfin d'abord d'autres boîtes de prod. Qui ensuite irait chercher d'autres chaînes, mais ça s'est pas fait. Cela dit, il en reste un pilote qu'on a autoproduit nous-mêmes, en fait. Et voilà, le truc est visible sur YouTube, c'est un truc qu'on a fait en 2014 à Bah attends, l'époque, on j'ai était aussi, deux ensemble. j'ai aussi, hein, j'ai aussi. Ouais. On pitch avant ou on diffuse comme ça? Le début, je Bah, crois que ça c'est explique un peu le pitch, hein. une... Ouais, c'est une histoire de chasseurs de fantômes ambulants, parce qu'ils sont en. Des chasseurs de fantômes un peu loser, mais Un encore peu plus que loser. Ghostbusters, quoi. Bah, attends, on va voir. Ouais, qui se déplaçait Là, en camping-car. je diffuse le début du pilote. Ouais, est-ce qu'on peut regarder c'est le ouais, les 2 premières minutes. Ouais. Après, ça vaut pas le coup. C'est même pas très intéressant après, mais je pense. Mais il y a des trucs cool et je pense que l'intro est pas mal. Ça, c'est tourné chez ma tante. Vos fantômes font du mauvais esprit? Nous avons la solution. La voix qu'on entend, c'est Nicolas Bernard. Vous accompagnera durant toute l'opération et mettra en place les meilleures tactiques pour vaincre la source de vos cauchemars. Bloom, derrière toi! Avec sa technologie d'avant-garde, il est capable de détecter et de traquer les esprits invisibles. Ainsi, l'élément perturbateur redoutera des appareils tels que l'Odospectre, l'Obakemètre ou encore le redoutable Ectoflash. Ness possède également des dons d'enquêteurs qui vous permettront de connaître les causes de vos hantises pour mieux les combattre. Et quand la technologie et les capacités humaines atteignent leurs limites, Bloom, notre médium, entre alors en action. Véritable machine de guerre surentraînée, il possède le don exceptionnel de voir des gens qui sont morts. C'est grâce à son sixième sens que Bloom peut entrer en contact avec les esprits. Et par entrer en contact, entendez, entrer en full contact. Sensibilisé très jeune à l'apprentissage des katas et à de nombreuses techniques martiales, Bloom est avant tout un prédateur sans pitié, une machine à tuer des morts, vouant une haine incommensurable aux esprits de l'au-delà. On raconte qu'il a lui-même chassé le fantôme de ses parents.
Avec Ness et Bloom, un bon mort est un mort mort. Ah, j'en peux plus. Voilà, c'est un truc qu'on a fait. Ou il peut toucher les morts et du coup, il leur casse oui, la gueule. Quoi. Coup, le concept, c'est que voilà, comme il peut rentrer en contact avec eux vraiment, il peut voilà. les niquer. Et du coup, on avait, ouais, bon, je pense qu'on l'a compris, mais on avait du coup Moguri qui faisait une sorte de savant, ouais. qui créait plein d'appareils. Lui, c'était le côté justement un peu Ghostbusters pour le coup. Et en fait, Médoc, le personnage, c'était genre si le gamin du sixième sens, il avait grandi et il avait fait du sport, quoi, pour pouvoir niquer la gueule des fantômes. Si vous entendez une alarme, c'est normal, c'est derrière chez moi, j'ai ouvert la fenêtre pour pas crever de chaud et il y a une alarme, je ne sais pas pourquoi. Bonsoir Léo. Et j'allais dire bonsoir Laurent Charrier, mais c'est moi qui mets le message sur le chat, donc tout va bien. Je suis fatigué. Ah punaise, non mais ça faisait voilà. longtemps que j'avais oublié les têtes de Médoc, mais Médoc c'est une machine à fabriquer des mèmes ce gars-là. Quoi. Mais oui, Médoc il est trop fort. Tu chopes des morceaux random au hasard sur n'importe quelle vidéo de Médoc, t'as un même reaction sur Twitter, quoi, c'est pas possible. Et voilà, bah voilà c'est un truc sur lequel on a bossé et qui s'est jamais fait parce que la production audiovisuelle, c'est compliqué. Hein. Enfin, les gens pour essayer déjà de vendre un projet, ça peut, c'est compliqué. C'est tous des vendus, de toute façon. C'est cooptage, franchement. Et parfois, c'est aussi simplement, tu proposes pas. Quand tu vois ce qu'ils diffusent et quand tu vois ce qu'ils. Mais voilà, donc ça s'est pas fait, mais il en reste ça. C'est-à-dire un petit pilote qu'on avait fait. Un petit pilote qui est très inégal, mais il y a des trucs rigolos dedans. Pratique. Médoc et Mogo qui font le Cozy Corner aussi, donc c'est difficile à expliquer, parce qu'ils prennent des sujets qui kiffent et puis ils discutent, ils disent des conneries, ils présentent des trucs qui kiffent et tout ça. On se parle de culture et de blabla. Et tous les 10 épisodes, chaque fois que c'est un nombre rond, ils font le Cozy Corner énervé. Oui, ils parlent là. En fait, en général, ils parlent que les sujets qu'ils aiment. Ouais, c'est ça, et tous les chiffres ronds. Ils parlent des trucs qu'ils aiment pas. Très bon podcast en plus. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le meilleur podcast. T'avais fait un replay, t'avais fait un remix d'un de leurs trucs aussi. Je passe mon temps à. Parce que, en fait, le. Ah oui, je sais de quoi tu veux parler. On va diffuser. Là, il n'y a pas besoin de contexte en fait. C'est bizarre que Médoc. La vidéo suffit à elle-même. Médoc a un rire tellement musical de base, tellement mélodique. J'ai dit, je fais pas ça comme ça pour faire une musique. Je l'envoie. Avec seulement le rire de Médoc. Et je sais ce que tu vas montrer, donc vas-y. Il fallait que quelqu'un le fasse, il fallait que quelqu'un se dévoue pour le faire. T'es un ouf, mais en plus, on voit toutes les pistes. Ça... mélodie sans rire. Ça t'a pris combien de temps de faire tout ça? Oh, pas longtemps, je dirais 2 heures, allez. 2 heures, allez. Deux ouais, heures. Non, c'est pas grand chose. J'ai juste passé son rire en autotune. Le truc était déjà fait en fait. Il n'y a plus rien à faire, c'est déjà une chanson. Aïe aïe aïe. Mais oui. Bon. Mais ce qui est drôle, c'est juste que t'as vu, je dois redoubler son rire. Pour qu'il y ait une petite mélodie. Ouais, les trucs. Il y en a plein qui font ça maintenant sur Twitter, Instagram, TikTok. Il y a un mec qui fait ça avec des chats.
Il prend des vidéos de chat, il les remixe aussi, il les pitch. Après, c'est vieux comme les Gregory Brothers. Et même avant eux, il y avait d'autres qui le faisaient aussi. Oui, c'est clair. Sauf qu'il n'y avait pas YouTube, donc on le voyait pas quand il n'y avait pas YouTube. Et voilà. Il y a des trucs assez ouf qui ont été faits, quoi. Et alors, il y a d'autres remixes, mais on va pas passer tous les remixes. Mais ouais, non, du coup, on est revenu, on a parlé Cody Corner, on est revenu sur ton boulot de compositeur. Donc, donc ça fait combien de temps que tu fais de la musique électro, que tu composes, tout alors, ça Je crois que la musique, je l'ai commencé vers 14-15 ans à l'époque, quand j'avais appris. En fait, j'ai commencé du coup à faire de la guitare quand j'avais 14 ans, mais très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait plus, c'était faire de la composition musicale, davantage que jouer d'un instrument, parce que... oui, Gringo, t'as raison. Parce que du coup, moi, j'utilisais des logiciels de tablature pour rentrer les trucs de guitare que je crée un peu. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment composer et écrire des musiques avec sur Guitar Pro à l'époque. C'est comme ça que j'ai composé mes premiers morceaux. Je dirais, j'ai commencé vers 15 ans à vraiment écrire de la musique. Moi, j'ai commencé avec Fruity Loops, moi. J'avais commencé avec FL Studio. Moi, ça s'est venu quelques années plus tard, en fait. Ouais. Pendant des années, je me suis cantonné en fait, au logiciel de tablature musicale dans lequel je rentrais juste des partitions de guitare. Pendant longtemps, ça a été ça. Et même les BO de RPG que je composais, parce que je faisais, tu sais, j'allais sur RPG Maker, je faisais mes petits RPG, je faisais la musique originale. Pareil, tout ça, j'ai composé à l'époque. Avoir même des vrais séquenceurs de musique sur des logiciels de tablature que j'exportais en MIDI, évidemment, etc. J'ai honte. Hein. Moi, je prenais un instru, je cliquais au hasard sur les cases, et dès que ça sonnait bien, je rajoutais des kicks, hi-ha, je mettais des trucs comme ça, et ça faisait des trucs, mais non, j'ai honte. C'était vraiment les trucs. C'est comme si j'écrivais un roman en jetant des lettres de Scrabble au hasard, comme ça. Oui, après, je dis pas que les premiers trucs que j'ai fait, c'était mieux, tu vois. non, c'est comme. Surtout que mes premiers morceaux, on parle de. Je faisais du black metal sur un truc de tablature, tu vois. Ça sonnait nul à chier. Avec du son MIDI horrible. Bah attends, il y avait tu m'avais fait aussi un générique. Alors là, je vais mettre le générique que tu m'avais fait. C'était pour Japan FM. Je suis trop content de ce générique. Je t'avais demandé, en fait, c'était une émission que je faisais sur Japan FM qui parlait de. Parce qu'ils avaient aussi une chaîne YouTube. J'avais une chronique radio. J'avais plusieurs chroniques radio. Et ils voulaient aussi des émissions pour mettre sur YouTube. Donc j'avais fait une émission YouTube qui parlait de jeux vidéo musicaux. Parce qu'à l'époque, j'avais une association de jeux vidéo musicaux où on faisait de l'événementiel et tout ça. J'avais énormément de matos chez moi, donc dit allez, on va parler de jeux vidéo musicaux, je vais expliquer le gameplay, le machin. Et je voulais un générique pour que ça fasse vraiment true production, tout ça, machin. Et je t'avais demandé une musique qui fait vraiment Eurodance, 90, DDR, tout ça. Et tu m'as fait une musique, mais c'est exact. Je dis putain, mais c'est ça. T'es un génie. C'est le meilleur générique que j'ai composé. Ah, fitness. Mais attends, je le dis. Désolé, Marcus. Tu vois. Donc voilà. Bon, le générique était plus court sur la chronique, hein, parce qu'il y avait le texte qui apparaissait en grand avec des flammes. Il y avait Max 300 avec des flammes. Et après, ça passait sur le plateau. Il y avait le générique qui se poursuivait pendant que je faisais l'introduction de l'épisode. C'était magnifique. Ouais. La chaîne YouTube a fermé en même temps que Japan FM. Du coup, il n'y a plus de traces du contenu. Mais bon, voilà. Toi, pour moi, tu es le plus grand socialiste du DDR en France. Tu vois, enfin, ah bon, voilà. Le dernier encore en vie, c'est ça. Non, ouais, après, DDR, j'y joue toujours, tu vois, mais bon, avec l'âge et les problèmes de santé, je fais plus des 10 depuis longtemps. Mais parce qu'à chaque fois qu'il y a des soirées chez toi ou des pique-niques ou quoi que ce soit, il y a toujours il y a toujours le tapis qui est là, le tapis il est là, le cobalt il est là. Chez Laurent, il y a toujours un tapis de DDR. Il y a toujours qui est là. Et il est toujours là, il est toujours présent. Et d'ailleurs, à Paris Manga, il y a de fortes chances que je le ramène sur les stands de l'association MO5.com. Pour faire des petits défis, comme ça on fera quelques petites parties de DDR et tout ça. Mais ouais, les années 90, là, on voit tout à fait l'esprit de l'Eurodance dans les jeux musicaux japonais de l'époque. Ça aurait pu être
une musique qu'il y aurait eu dans un DDR, quoi. Vraiment, bah ouais, quand le fun existait encore, hein. Finalement. C'est... Là, il continue encore, mais maintenant, de plus en plus, t'as des chansons qui sont récupérées pour faire des patterns dessus, quoi. Oui, ça existe encore ou pas? Oui, c'est vrai. Donc, tu me dis oui, ça existe encore, DDR? Ah oui, oui, il y a encore des... Il y avait DDR Ace qui est sorti il y a 3-4 ans, un truc comme ça, et je sais pas s'il y en a un nouvel épisode qui est sorti encore. Il n'y a pas les spin-off à Tsunami Ku et tout du genre? Non, non. Mais pas... bah, après, sur Stepmania, forcément, parce que les gens, ils font les Stepcharts maison. Mais sur les versions officielles de DDR de Konami, c'est Konami fait encore de l'arcade, en fait. C'est-à-dire que Konami, pour les jeux vidéo, ça fait depuis 2012... Ils ont énormément restreint leur activité au niveau production jeux vidéo. Ils se condamnent à leurs gros trucs, genre PES, tout ça, voilà. Mais ils sont beaucoup, beaucoup plus penchés sur les jeux mobiles. Mais ils sont quand même restés présents sur le terrain de l'arcade. Et il y avait des compétitions de jeux vidéo musicaux, Konami, où il y avait des gens du monde entier qui faisaient le voyage pour s'affronter, tout ça. C'était Konami, c'est vraiment l'éditeur le plus débile, quoi. C'est l'éditeur qui a les meilleures licences... Et qui a décidé de tout foutre à la poubelle, quoi. Bah, une logique économique. Après, ils voient que ça fait plus de thunes sur les jeux mobiles pour qu'ils se cassent la tête. C'est vrai que c'est un truc comme ça. Ça reste un drame. Les gars, ils ont sacrifié Metal Gear Solid. Ils ont sacrifié Silent Hill. Tu me dis, ils ont même sacrifié le DDR. C'est ça. Bah, après, DDR, franchement, sur console, enfin, je pense que le gros de la thune qu'ils font avec DDR, c'est en arcade. Hein. De toute façon, c'est pas... voilà. Ouais. Parce que, à la maison, c'est chiant. Ils sont obligés de te vendre un bundle avec un tapis mou qui va mourir au bout de 6 mois. Voilà, quoi. Ben oui, tu vois, plus Suikoden. Et moi, j'ai cru comprendre qu'en plus, avec le Covid, même les salles d'arcade maintenant en Konami se mettent à fermer, en fait. C'est ça, donc, écoute, c'est comme ça. C'est le monde du jeu vidéo évolue. Bienvenue à Wendo. Oui, je remercie pas toujours les gens qui apparaissent parce que j'essaie de pas couper la parole aux invités, donc... Donc mais voilà, je laisse les gifs animés vous remercier et vous êtes bien aimables de nous rejoindre aussi nombreux ce soir pour faire la connaissance d'Hollywood Burns. Hollywood Burns. Avant Hollywood Burns, t'avais un autre. T'avais Hollywood Burns, c'est le dernier prod que t'as fait, mais avant t'avais un autre nom de scène ou un autre projet? Non. Non, avant je faisais juste de la musique sur mon nom, je passais des trucs sur SoundCloud. Ouais. Mais en fait, disons que avant. J'ai surtout fait des musiques pour les autres, c'est-à-dire c'est ou pour No Life, ou tu vois, pour toi, je t'ai fait des choses, ou pour Flanders, ou pour nous, peu importe. Mais je faisais pas vraiment de musique à mon compte. Tes projets perso sont peu nombreux, en fait, à chaque fois, c'est des trucs pour le délire ou... En tout cas, c'était pas le cas avant. Et attends, hop. Et même, t'as vu, quand je crée mon projet, donc Hollywood Burns, en 2015, fin 2015, même à ce moment-là, ça ressemble à de la BO, en fait. Donc en fait, j'ai jamais vraiment quitté le côté BO. Moi, je galère un petit peu avec la technique parce que j'ai un double écran, mais ça suffit plus. N'hésite pas, Aymeric, à mettre dans le chat le lien vers ton SoundCloud et tout ça parce que. Alors, peut-être pas SoundCloud. Pas bloqué les liens, tu peux les mettre pour que les gens puissent te suivre sur les différents réseaux. Mais oui, c'est vrai que quand j'ai lancé ce truc, je te dis, moi, j'ai quasiment que fait de la musique à l'image, enfin, de la musique instrumentale qui accompagnait des projets. Et même quand j'ai lancé mon projet perso, ça ressemblait à la musique à l'image, sauf qu'il n'y avait pas l'image. Parce que je me suis inspiré des musiques de films. Moi, c'est ça qui me bottait quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était de faire de la BO ou de la musique pour des courts-métrages ou des trucs comme ça, tu vois. Et dès qu'il y a un concours, des trucs comme ça, parce que tu produis hyper vite, quoi. Il y avait souvent, tu fais des petits clins d'œil. Dès qu'il y a un youtubeur que tu aimes bien, tu fais des petits trucs comme ça, des petits montages. Il y a c'est plus quand je trouve un truc qui s'y prête, en vrai. Un truc qui s'y prête. Là, c'était un passage de. Allez, il y a un passage de Louis-San qui s'appelle Pas d'électricité. Non, mais Louis-San, parce que ce qu'il faut dire, c'est que je fais du montage pour Louis-San aussi. Ouais. Ah, et du coup, il m'envoie des rushs. Et parfois, je fais des remixes et je les envoie en privé de joke. Et parfois, je les publie sur YouTube, tu vois. T'as celui-là, hop. Ouais, il est court. Il est 44 secondes. Pas d'électricité! Non,
Non, l'outro, elle est presque aussi drôle que le reste de la vidéo. Et attends, du coup, pour répondre à Xenom dans le chat, qui disait du coup, les musiques sont inspirées de scènes de films. Non, elles sont pas inspirées de scènes de films, mais j'ai toujours eu le côté, comment dire, j'avais envie que de faire des musiques qui racontent des choses en fait. Même sans le support image, avant c'était pour accompagner l'image, et même sans support image, l'idée que ça puisse raconter un truc, qui est une sorte de narration à travers la musique. Parce que moi, ce qui m'a toujours inspiré, c'est la musique de film en plus. Oui, Louis-San, ouais. Mais c'était comme ça, moi, quand je faisais mes scénarios de jeux de rôle. Souvent, j'écoutais des, ouais, BO de films. Et c'est là que j'avais les idées. Ah ouais, j'imagine des scènes de baston, machin. Mm-hmm. Ok, tac, les gars, ils vont arriver là à ce moment-là. Donc ça inspire beaucoup d'écouter de. Et ça inspire. Musique, mais moi, ça m'inspire quand j'écris. Mais même, tu vois, parfois, il y a des morceaux que je publie. Et je vois dans les commentaires des gens qui inventent plus ou moins une histoire autour, en fait. Mm-hmm. C'est ça qui est cool. C'est pour ça que, tu vois, parfois, on me demande de quoi ça parle et tout. Mais au final, même si moi, j'aime bien imaginer des trucs autour. Bah, on s'en fout un peu, tu vois, c'est plutôt ce que les gens vont en faire qui est intéressant. Mmh. Et ouais, donc tu fais du montage, tu fais, ouais, un truc. Ouais, parce que moi, j'avais ce truc aussi de il faut que j'apprenne à tout faire tout seul très rapidement si je voulais m'en sortir, tu vois. Et du coup, je te dis, quand j'avais 15 ans, j'étais sur RPG Maker, j'étais en mode il faut que je fasse mes musiques moi-même, il faut que j'apprenne à faire mes jeux vidéo moi-même. Plus tard, je me dis vas-y, pour faire de la vidéo, il va falloir que je fasse du montage moi-même, que j'apprenne à faire de la réelle moi-même. Donc ouais, j'ai toujours voulu tout apprendre à tout faire pour, en gros, jamais trop dépendre des autres. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute qui tâche sur ton nom, là, sur le truc. J'ai marqué Emerci au lieu de Emric. Bah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Oh, c'est pas grave, Emerci. Mais si, c'est extrêmement grave. Emric, yes. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Hop, bim. Donc, ouais, donc il y avait Marie tout à l'heure. Donc, alors, raconte-nous un peu la genèse un petit peu du clip qu'on a vu là. Donc, il y a Saturday Night Screamer. Donc, c'est, ouais, c'est le premier titre de ton prochain album là, qui sort, ouais, c'est qui sort en novembre. Ça, oui, d'ailleurs, qui est aussi dispo sur Spotify jeudi, comme ça. Mais ouais, du coup, c'est un clip du coup que j'ai en fait. Imaginez simplement, parce que moi je voulais tourner dans ce même décor plus tôt dans l'année, quelques mois plus tôt, pour un projet secret. Malheureusement, on n'a pas le droit de parler, mais tu sais de quoi je parle. On n'a pas le droit d'en parler, voilà. Non, vous verrez parler bientôt, il y a Emric, il a une voix bizarre. Oui, je sais de quoi tu parles. Oui, c'est un projet dans lequel j'ai une voix bizarre, c'est vrai. Et du coup, je suis allé tourner là-bas, et comme j'ai pas de moyens pour faire mes clips et que je vais me débrouiller avec ce que j'ai sous la main. Du coup, je me suis inspiré de ce truc que je savais que j'aurais accès et j'ai construit un truc autour de ça. Le point de départ, c'était vraiment le décor que j'avais vu. Et ensuite, je me dis, si on tourne là-bas, qu'est-ce qu'on va faire dedans ? Alors, tout le monde n'était pas là au début, donc le décor, rappelle-nous où c'était ? Oui, donc c'est un musée, c'est le musée Sciences ACO, c'est à Orsayville. C'est un ancien accélérateur de particules qui est aujourd'hui évidemment désactivé, qui a été transformé en musée et que les gens peuvent visiter. C'est dans une université. Voilà, ça s'appelle Musée Sciences ACO. Et ouais, c'est un endroit qu'on a eu gratuitement. Je le diffuse sans le son pendant que tu expliques. Ouais. Et je te dis, voilà, donc c'était vraiment le point de départ de la conception du clip. Et ensuite, c'était vraiment toute la difficulté, c'était comment on fait de la SF sans argent, qui n'est pas l'air trop de. Qui n'a pas l'air trop cheap en fait à l'image, sachant que c'est très difficile en fait, quand t'as pas d'argent de faire de la SF et que ça a l'air un peu de gueule. Mmh. Ah, puis en plus, l'alien, il est charmé, quoi. Non, ouais. C'était réussi, quoi. Pour moi, c'est un mix entre Alien et Nemesis de Resident Evil. Oui, il y a un côté. Alors, pour le coup, c'est pas une création originale de notre part. C'est un masque que j'ai acheté tout fait sur Etsy. Donc, le site de. C'est un site de boutique en ligne. Donc, c'est des créateurs qui vendent leur création. Il y a un artiste plasticien, du coup, qui avait fait ce masque que j'ai acheté et du coup, qu'on a utilisé. Ouais, je vais mettre comme. Oui, il rend très bien. Voilà. Non, yes, il rendait bien. Voilà. Et derrière la batterie, ce que vous pouvez voir, c'est justement l'accélérateur de particules. Ouais. Donc il y a le décor, il y a du maquillage aussi. On voit qu'à un moment donné, il y a l'alien qui vomit sur quelqu'un et qui lui fait fondre la gueule, comme dans le film La Mouche. Ouais. Et en plus, moi, j'ai ce truc, en fait, j'ai souvent des envies de clip, mais pour moi, ça a toujours été compliqué. Le crash zoom, tu. Le crash zoom. Ça, c'est inspiration Alex Pilote, justement. J'adore les crash zooms de Alex.
La difficulté pour moi à faire du clip sur Hollywood Burns, c'est que c'est une musique qui est très grandiloquente, je mets des gros guillemets là-dessus, mais très grandiloquente, et du coup qui est compliquée à adapter en image, parce que tout de suite, ça peut coûter très cher de faire un truc aussi cinématographique que ce que peut laisser présager le morceau de musique en général. Ah, puis il y avait le... Comment on disait, voilà, c'est la scène où il se fait fondre le truc. Ah, ouais. Il y a quasiment que des effets pratiques, quoi, à part à la fin quand ça part en cacahuète. Mais... Et ça, tout ça, c'est grâce à Ben, parce que moi, j'ai pas touché quasiment aux effets pratiques, parce qu'il faut sans visage qui se dissout. C'est Ben. Voilà, Ben qu'on voit donc plus à l'image là. C'est lui qui est co-réalisateur et main star du clip, tu vois. Sans compter l'alien, qui est joué par Dadoux. Et là, ça va être le money shot, quoi. Là, c'est. Oui. Quand ça part en cacahuète, là. Et il y avait la scène où, en fait, quand on voit que la caméra tourne autour de lui, et que tout le monde court. C'est vrai que toi, tu peux en parler, parce que tu étais en tant que figurant, du coup, tu as assisté un petit peu. Oh là là là, c'était fou, parce qu'en fait, on n'arrêtait pas de se bousculer, de se cogner, de glisser, parce qu'il fallait jeter les feuilles pour que ça tombe de partout. Ouais. Et on courait autour de l'alien, Douglas Alves, qu'on vient de voir de MO5.com. Et là, ça va être juste là, attention. Et ça va être un standard. Bon, là, forcément, le plan rigolo. Tu veux dire, quand on voit toi, c'est là. Ouais. Et c'est juste après. Où là, voilà, ce plan-là, il était ouf à tourner. Il fallait qu'on court autour de l'alien, qu'on jette le papier en même temps, sans se croiser. Il fallait pas qu'on voie nos visages parce qu'on n'était pas nombreux. Il fallait pas qu'on voie que c'était toujours les mêmes. Ouais, c'est une caméra sur skateboard. Faites malin, comme d'habitude en plus. Il y a la pagaille, on voit, on court dans tous les sens. Et en fait, tout ce qu'on fait, c'est courir autour de l'alien. En fait, ça n'a aucun sens quand tu vois c'est le backstage. Pour donner vraiment la sensation de confusion. Ouais. Comme en plus, encore une fois, on n'avait pas beaucoup de moyens. La magie du coup, on devait montage, passer par tous les petits effets pratiques des gens qui courent devant la caméra dans tous les sens, on jette des papiers. On jetait les feuilles comme ça et tout. Oui, voilà. Bon, on l'a refait, ok, on ramasse les feuilles et on recommence. Et on a fait ça au moins une dizaine de fois. Ouais, et les gens criaient vraiment d'ailleurs en plus. Ouais, ouais, parce que des fois on se faisait mal parce que les feuilles elles tombaient par terre et par terre c'était une espèce de dalle en béton avec de la peinture vernie comme dans les garages. Et du coup, bah, quand t'as une feuille de papier par terre, quand tu marches dessus, ça glisse comme quand tu mets une couverture sur les toboggans à la Foire du Trône, tu vois, ou dans les parcs. Et du coup, ouais, on tombait souvent. On tombait souvent. Et voilà, comme on faisait tous en moyenne 80-90 kilos, vous voyez, ça. Il fallait qu'on fasse gaffe au coin des pupitres qui étaient en acier, quoi. Et en plus, j'imagine que pour vous, c'était un peu compliqué parce que. C'est un tournage qui a pris beaucoup de temps en fait, chaque plan prenait un peu de temps. Et donc vous, en tant que figurant, vous avez été présent quasiment toute la soirée, pour souvent apparaître seulement quelques secondes à l'image. Attends, je disais le chat, tu m'as posé... Ah oui, j'ai vu une question d'ailleurs, s'il y a des vrais thérémines, non, ou c'est seulement des effets. Il n'y a pas de vrais thérémines, j'ai jamais eu de vrais thérémines. Et je sais pas si j'en aurai un jour. Ah oui, thérémine, c'est l'espèce d'instrument où tu passes la main et ça fait des... Exactement, c'est ça. Et le son un peu rétro SF qu'on entend dans les morceaux pour faire des mélodies, c'est du thérémine, c'est du son thérémine. C'est du faux thérémine que j'utilise pour aussi une raison simple, c'est que l'attaque du son, donc l'attaque, comment je définirais Quand le son commence... Le son est plus vif, en fait. Un vrai thérémine, une note, si j'appuie sur une note, ça fait... Alors que sur un synthé, ça peut faire ouh directement. Donc en fait, voilà, l'attaque, c'est ça, c'est que le son, il sera plus vif. Voilà. Et du coup, j'utilise que des synthés virtuels, donc sur mon ordinateur. Et c'est beaucoup des plugins gratuits, d'ailleurs. Ouais, parce que tu es surtout au synthé, en fait, là, sur Max 300, l'opening que tu m'as fait pour Japan FM. Il n'y a pas de vraie guitare, en fait, c'est tout au synthé. Oui, même les guitares sont fausses, pour le coup. Alors, c'est pas le cas dans Hollywood Burns, quand il y a la guitare, c'est de la vraie guitare, en général. D'ailleurs, on le voit dans le clip, c'est le guitariste qui joue qu'on voit dans le clip. Ouais. Ou c'est un autre... Oui, attends, on n'a même pas parlé de ça. Dans le clip, on voit de la guitare et de la batterie, alors que dans le morceau, il n'y en a pas. En plus, il est là, il donne oui, tout, et en fait, non, c'est... Parce qu'il n'y en a pas dans le morceau, c'est plus en électro. Non, parce que là, je me disais à un moment donné... J'ai regardé les commentaires YouTube, personne n'a fait la remarque. Personne n'a fait la remarque, ok. Tu écoutes le morceau, il n'y a pas de guitare. Ouais, c'est un peu la signature de Hollywood Burns, Xenom, parce que j'ai essayé de m'inspirer des vieux films des années 50 de science-fiction. Ouais. Et notamment toutes les bandes son de Bernard Herrmann de l'époque.
Donc Le jour où la Terre s'arrêta, ce genre de BO. Qui ont plus tard été. Il y a eu des pastiches plus tard par le compositeur de Tim Burton, merde, j'ai un trou de mémoire. Danny Elfman. Danny Elfman, ouais. Mais ouais, c'est ce truc-là dont je m'inspire. Après, Danny Elfman, il y a beaucoup de cœur aussi dans les trucs de Danny Elfman. Oui, non, mais justement, le côté Theremine, quand il a fait par exemple le Mars Attack, il a pastiché les BO de Bernard Herrmann. Il y a beaucoup de Theremine dans Mars Attack. Ouais, il utilisait ce côté un peu. Justement, il essayait de rendre le truc un peu rétro, limite ringard, volontaire, avec des aliens qui étaient super kitsch, avec les soucoupes et tout ça, les espèces de bulles en verre qui leur permet de respirer. Il cherchait vraiment à avoir ce truc rétro. Mais pareil, tu vois, moi, pourquoi j'utilise ces sons-là dans le son, c'est justement pour le côté déjà connoté ringard. Et comment je me réapproprie ces sons, j'essaie d'en faire un truc très sérieux, très premier degré et un peu badass, tu vois. Ouais, grave. Récupérer un truc que tout le monde trouve nul, enfin, que tout le monde, ouais, comme tu dis, ringard. Et en faire un truc un peu ouais, stylé. Et en faire un truc le remoderniser avec des arrangements autour. Qui donnent, parce que pour moi, c'est ça, c'est des sons un peu. Qui sont un peu ringard de base. Et qu'on se réapproprie, on en fait un truc un peu stylé, un peu cool. Grave. Bah, avec les voix pitchées par-dessus, c'est ça qui donne le côté moderne, je trouve, c'est les voix pitchées qui sont vraiment très très dans l'air du temps. C'est pour quand on parle de ringard, tu vois, moi aussi j'ai des termes un peu ringard. Pour moi, ce qui est un peu plus dans l'air du temps, c'est la rythmique, tu vois. Ouais. C'est le côté grosse basse, tout ça. Ouais. Avec le truc, bah, justement, quand il y avait l'écrit, en plus, quand on faisait le clip, tu disais oui, et tu nous passais le morceau que tu avais sur le téléphone, c'est essaye de crier, mais en rythme avec la musique. Sauf qu'en fait, et en plus, tu nous disais ouais, mais ça va être en slow motion, donc du coup, essaye de crier en rythme, mais en moins vite. Mais, voilà, au final, crie, je m'arrangerai au montage, on verra au montage, c'est pas grave. Mais oui, tout le monde a crié salut Gringo, bye, bonne soirée. Il est bientôt 21h, je dois vous laisser. Ah bah oui, bah, à cette heure-là, les personnes âgées vont dormir, c'est sûr. Suite au Twist sur YouTube, vous avez remarqué qu'il joue de la batterie et de la guitare, qu'il n'en a pas dans le son. Ouais, on attend. Ah ouais, suite au Twitch, on attend les commentaires dans les trucs. Oui, on attend ton commentaire du coup. À bientôt, Gringo. Ah, ça y est. Après, on va créer un mini scandale sur Twitter. Trois petits points, ça y est, il a sa tête qui est tombée sur le clavier, il est en train de dormir. J'interprète ça comme ça, pas du tout. Du coup, si tu devais composer pour un film de SF, tu préférais une comédie horrifique, style Mars Attack, ou plus sérieux, genre Independence Day, etc. Bon, les deux en vrai, tu vois, ça dépend des projets. Les deux, ouais. Mais moi, tu vois, je pense qu'il y a moyen de. À la fois, tu vois, je trouve que ça peut être cool de faire un projet sérieux et mettre un peu d'humour dedans. Ou au le contraire, faire une comédie horrifique et la prendre très au sérieux, en fait, tu vois. Pas trop tomber dans la parodie, enfin, je parle que de la musique. Hein. Pas trop tomber dans la parodie et faire un truc qui se prend vraiment au sérieux, même si c'est une comédie. Moi, c'est pour ça, mes références en termes de création, c'est souvent le film d'Edgar Wright. Peut-être qu'il se réapproprie des codes de films de genre et qu'il crée de la comédie avec. Complètement, ouais. Du coup, avant d'être une comédie, c'est un film policier, mais avec des blagues. Et moi, j'ai ce truc un peu même dans ma conception de la musique, etc. On parle de la trilogie Cornetto, par exemple. Ouais, ouais, exactement. Ça. Mais son, même son toi, l'argent, son travail, même avant. Ouais. Mais oui, moi, j'envisage comme ça, tu vois. Je vais du sur coup, méchant Laurent. Faire un film sérieux, ça peut être cool aussi. Un film sérieux, ouais. Ouais, parce qu'après, tu t'aimes bien les deux, mais voilà, les trucs, les projets galeries en général, c'est. Alors, tu les fais aussi avec sérieux, mais c'est vrai que tu t'aimes bien quand d'avoir des arrangements, des trucs pour avoir. Ouais, moi, j'adore avoir les petites. La telle, faire un morceau où il y a genre la petite idée un peu marrante dedans. Parce que je pense pas être un compositeur incroyable en vrai, tu vois, j'ai plein de lacunes de composition. Mais j'aime bien ajouter le petit truc où je sais que ça va faire le sel du morceau, tu vois. La petite signature. Ouais, tu vois, sur ce morceau-là dont on parle. Il y en a qui veulent un film d'Edgar Wright avec Hollywood Burns à la musique. Parce qu'un film SF d'Edgar Wright, il y en a déjà techniquement le dernier pub, tu vois. D'ailleurs, en plus, avec une très bonne musique qui serait de. Oh, j'ai oublié son nom, peu importe. Compositeur de Gravity qui fait une super BO justement. C'est blague dedans, tu vois. Non, Gravity, aussi. Je pensais à Interstellar, mais non, c'est Gravity, c'est le même. Ouais, c'est une très bonne BO, le dernier pub. Pardon, du coup, on disait quoi? J'ai oublié, excuse-moi. Non, je lisais juste le truc et je sais plus ce qu'on disait avant, mais ça m'a perturbé. Ouais, il parlait d'Edgar Wright avec Hollywood Burns à la musique. Je signe avec l'emoji Seems Good. Bah, grave. Moi, je veux, hein. Je sais pas si je suis à la hauteur, par contre.
Ah oui, je disais, ah oui, je parlais sur Saturday Night Live, je parlais de trouver la bonne idée, le petit truc un peu rigolo. Ce qui était marrant, c'est que ce morceau-là, en fait, il s'inspire d'une scène de Mars Attack, justement, on parlait de Mars Attack. Il y a une scène dans Mars Attack où tu as des aliens qui tiennent la radio et qui diffusent Ne courez pas, nous sommes vos amis, tel le Oui, oui, renvoi, et oui, ils sont en train de désinguer des oui. Et gens du coup, ça autour. fait un petit clin d'œil à ça quand ça fait We are your friends. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça s'inspire de ça. Des aliens qui tuent des gens en diffusant Ne courez pas, nous sommes vos amis. Est-ce qu'ils se rendent compte dans le film que Ouais. ils désinguent tout le monde, après ils remontent, ils se rendent compte que les humains leur envoient un message, oui, mais c'est de notre faute, il y a eu un malentendu, revenez, revenez, et il dit mais ils sont cons quoi. Et du Ah coup non, mais c'est même après, pas ça. À la fin du quand ils film, désinguent tout le monde, quand ils désinguent tout le monde, Ouais. ils se baladent Oui, avec voilà, leur c'est ça, bague c'est ça, et c'est nous ça. sommes vos amis, nous ne voulons pas de mal, revenez, arrêtez de courir. Et en même temps qu'ils diffusent ça, ils leur tirent parce qu'ils se disent ils sont tellement bêtes Voilà. les humains que sur un malentendu, peut-être qu'ils vont vraiment revenir vers nous alors qu'on leur tire dessus en même temps qu'on diffuse les messages. Et tu vois, moi, sur les bouquins, j'ai toujours ce truc un peu ironique, en fait. Sur Came to Annihilate ou d'autres morceaux comme ça a toujours été le cas. J'aime bien mettre des trucs super sombres, enfin, genre des paroles super sombres avec un truc qui sonne joyeux derrière, ou le contraire. Et tu vois, pour moi, du coup, comme clairement le morceau il parle de gens qui se font tuer par les aliens, bah, du coup, je trouve ça marrant de le faire sonner très positif, en fait. Très pop, vraiment pop, pour le coup, très chantant. Et il y aura combien de morceaux sur l'album qui sort en novembre? Une dizaine. Une dizaine? Il y aura un clip pour Ouais, j'ai chacun d'entre plus. eux? Ah bon? Ah, Attends, quoi? il y aura Comment un tu dis? clip pour Non, chacun d'entre non, non, non. eux? Ça demande trop de travail, je pourrais pas. Il y aura un lyrics vidéo qui sortira ce mois-ci. Ouais. Mais pas de clip. En tout cas, pas pour l'instant. Ah, j'aimerais bien. Hein. Mais ça coûte cher, ça demande du temps aussi, tu vois. Ouais, puis même si ça coûte pas cher, ça coûte cher en santé mentale et en énergie. Parce que même en mode débrouille, c'est limite si ça demande pas plus de logistique en mode débrouille qu'en mode production, quoi. Parce que quand t'as des Ouais. sous, t'as plein de gens que tu peux embaucher, alors que là, quand t'es en mode débrouille, il faut appeler tous les potes, il faut avoir des plans B, des plans C pour à peu près tout. C'est chaud. Du coup, tu as des morceaux préférés dans ceux que tu as dans ceux que tu as composés. Alors, est-ce que la Ouais, du question, c'est ceux coup. que tu as déjà composés avant, qui sont déjà dispo, ou Bon, alors je vais ceux qui... répondre aux deux, t'inquiète. Vas-y, des morceaux préférés que j'ai fait. Bon, ouais, je pense que c'est les mêmes que tout le monde, en vrai. Je pense que. Ouais, les Yakuza Club sur le premier EP, les Scares and Number 5 sur l'album. Il y a des morceaux que j'aime vraiment que j'ai faits qui sont, je trouve, très peu écoutés, malheureusement. C'est sur le premier album que j'ai fait, c'était l'outro, en fait. L'outro de l'album, donc la piste finale de l'album, c'était un medley symphonique, version orchestrale de plusieurs mélodies de l'album. Donc c'est une reprise, en fait. Version orchestrale, c'est un faux orchestre, évidemment. L'album se concluait comme ça. C'est évidemment un morceau dont tout le monde se branle, mais qui marche très bien selon moi et qui est sous-estimé, je pense. Bah, Après, mon morceau préféré, il est sur le prochain album. je diffuse surtout Saturday Night Screamer parce que comme t'es un true compositeur avec un vrai label de Oui. dingue, Le label, ils c'est vont chaud de striker. diffuser tes autres musiques sans se faire strike sur Mais YouTube. oui, on va se faire strike. Et comme les replays Twitch sont sur YouTube, après derrière, Ouais. voilà, on va essayer de préserver. Parce que oui, ça rigole même pas en fait. Après, ça strike et je crois que ça coupe tout le Ouais, son, un truc comme après, ça. peut-être qu'il faut en parler parce que tu vois, comment dire, ça reste un bot qui strike, c'est pas eux Ah oui, directement. évidemment, évidemment, carrément. Mais oui. Complètement, c'est le label, c'est Blood Music. Donc, c'est le même label que Perturbator, par exemple. Il y a peut-être des gens qui connaissent, tu vois. C'est un label électro et de métal, surtout, qui est un label finlandais, tenu par un Américain. Yes. Et donc, du coup, la prod du clip dont tu nous as dit, t'avais repéré les lieux avec différents tournages. Un Et tournage donc, surtout, ouais. la prod du clip, ça s'est déroulé comment? Du coup, t'as appelé tous tes potes pour de la figuration au niveau du tournage parce que t'as des potes techos dans l'équipe ou alors c'est que des gens Alors, qui étaient là, qui ont pris sur le tas, tu leur as dit toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu la fais ça. pure technique, c'est-à-dire tout ce qui se concerne l'image, tout, on était deux et demi techniquement, non, enfin on était trois, on va dire, parce qu'il y avait Ben et moi, donc Ben qu'on voit dans le clip, qui est mon co-réalisateur. Ainsi que moi, et accompagné de Océane pour la technique. Donc, on était vraiment trois, on était vraiment très peu en fait pour faire toute la technique. C'est-à-dire, ce que j'appelle technique, c'est-à-dire s'occuper du maquillage des personnages, faire la lumière, s'occuper de la caméra, tenir la caméra, etc. etc.
faire la mise en scène. Voilà, tout ça, on était que 3 pour ça, en fait. Et on a été aidé de Marie, Marie Kigai, qui est peut-être encore dans le chat, je sais pas, qui m'a aidé en tant qu'assistante réalisatrice. Qui nous a fait le raid de qualité tout à l'heure. Voilà. Et qui a donné un petit coup de main sur la préparation et sur l'organisation du plateau, en fait. Être certain qu'on puisse tout filmer et que tout rentre. Oui, plaisir. Ah. Voilà, qu'à la fin de la journée, on ait tout ce qu'il fallait tourner, sachant qu'il y a vraiment beaucoup de plans. Hein. Enfin, regardez le nombre de plans qu'il y a. Énormément de trucs. Ah, ça a duré combien de temps? Du matin jusqu'à tard. Non, ça a duré un week-end complet. Ça a duré 3 jours. 3 jours, voilà, mais 3 jours, ouais. Genre de 8h du mat jusqu'à 1h du mat au bout du 3ème jour, quoi. Ouais, c'est ça. Oh, 1h du mat tous les jours, en vrai. Ouais, ça tournait même parce que la nuit. Il faut s'imaginer que chaque plan qu'on a, chaque coupe qu'il y a, ben, faut refaire la lumière, par exemple. Ouais, t'as toute la mise en place et tout ça. Voilà. Puis comme c'est de la... il y a beaucoup de figurants qui arrivaient, qui pouvaient être là que de telle heure à telle heure, il fallait que t'aies un script. Ouais, et puis qui stabilote tout ce qui était tourné et tout ce qui reste à tourner pour rien oublier. Ouais, alors en plus, tout ce qu'on voit, et c'est ça que j'ai fait pour gagner du temps, tout ce qu'on voit a été storyboardé. Donc tout a été dessiné en amont et pré-monté pour être sûr que... en fait, je fallait pas que je me permette de tourner trop. Donc je me suis dit, si je mets trop d'idées et qu'ensuite ça rentre pas dans le montage, on prend un gros risque parce qu'on a pas beaucoup de temps, tu vois, il faut qu'on puisse tout rentrer. Et du coup, j'ai déjà tout storyboardé et tout prémonté. Bon, c'est ouf. Et il y avait aussi le détail qui tue. J'en parle tout le temps, je fais une fixette là-dessus, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, hein, ok. La régie. L'importance de la régie. Hein. Comprenez par la régie, comprenez la bouffe. Comprenez la bouffe. Parce qu'on était vraiment... non, faut le dire, hein, on était bien, tu nous as mis bien. Alors, je suis pas responsable de ça. Alors, pour le coup, c'est ma mère qui... Il y a ta mère qui est venue ravitailler, moi je suis arrivé, il y avait quasiment plus rien. Elle arrive avec deux gros cabas et vas-y, le saucisson, les fruits... Ouais. Comme quoi, c'est vraiment une entreprise familiale. Hein, salade de riz avec les olives et tout, enfin voilà, il y avait pour tes viandards, tes végés, vas-y, paf, il y avait de tout. Ouais. Des boissons light, des boissons sucrées... Et des du café chaud. Il y avait du café chaud. Ouais. Non, bah oui, parce que surtout qu'il y a beaucoup de temps d'attente en fait sur un tournage. Ouais. Quand t'es pas à la technique, que t'es acteur ou figurant, peu importe, il y a toujours des moments où tu fais rien. Mmh. Et c'est des moments où les gens ils perdent patience facilement, où ils ont un peu froid, où ils peuvent s'énerver et tout. Du coup, c'est bien d'avoir une régie sous la main, tu vois, pour que les gens ils se sentent bien. Ouais, c'est ça. Bon, après, ce qui était bien, c'est quand il y avait le tournage qui se passait, bah, toute la phase où le monstre il arrive et tout ça, parce que c'est dans la phase où il y a l'accélérateur et tout ça. Mais la phase où c'était devant les commandes, devant les pupitres avec le truc, bah là on était à quoi, à 5 mètres de la régie, donc fallait fallait pas papoter, pas discuter. Oui, mais après tu sais, il y avait ce truc aussi, on fait pas de prise de son, c'est un clip. Ouais c'est vrai, ça déconcentre quand même d'aller plus vite aussi, monde, et que les soit plus relax pour les gens qui sont présents aussi. Fallait juste éviter de rigoler à pleine bouche parce que sinon ça déconcentrait tout le monde, quoi. Ouais, mais les jets de papier, je m'en souviendrai. Les jets de papier. Toi, tu jettes mieux les papiers. Bon, d'accord. Fallait que le jet de papier semble naturel. Ah oui, c'est du jet de papier de type professionnel. Jetteur de papier professionnel. Si vous avez besoin de jeter les papiers pour faire des effets spéciaux pratiques, voilà, vous pouvez me contacter. Contact@laurentcharrier.fr. Voilà. Mais tu sais que ton passage à l'écran, tout le monde en parle. Hein. Ah bon? Bah, non mais vraiment, j'ai pas été voir. Je vais jamais voir les commentaires des vidéos que je produis pas. Non mais il y a plein de gens qui vont parler du clip. Ah, la mort de Laurent, quoi. Okay. Quand même, elle est un peu stylée. Hein. J'ai regardé là, mais attends, c'est où les commentaires? Je vois pas. Là, t'es sur le clip? Ouais, je suis sur le clip. En anglais, par contre. Je trouve pas les commentaires. Je vais répondre à Xenom en attendant. Déjà cool, merci, tu dis très pour le nouvel album en tout cas et tout. Et si j'aimerais refaire des collaborations, oui, et il y a des collaborations que j'aimerais bien faire, notamment avec The Algorithm. Ça serait trop stylé, parce qu'en plus j'adore ce qu'il fait, évidemment. Et t'as des commentaires en anglais? Essentiellement en anglais pour le coup, ouais. Parce que le public est très états-unien. Ou alors d'autres gens de l'Europe qui vont écrire en anglais. C'est ouf! J'avais jamais capté, mais quand je te dis que je ne veux pas voir les commentaires, mais c'est vrai, je vais voir les commentaires que sur les trucs que je produis, parce que je suis vraiment un psychopathe, j'ai envie de vraiment Laurent répondre. Laurent, il découvre qu'il n'y a pas que des fans de No Life dans les commentaires. Au moindre reproche et machin, ou alors quand il y a des compléments d'information, ça m'intéresse aussi. Et quand c'est pas moi qui produis les vidéos, mais je m'en
balèque, mais tellement fort. C'est voilà. Que moi, je suis là pour prendre du plaisir sur le tournage. Et puis après, voilà, amuse-toi avec les rushs. Moi, je vais faire autre chose. Et... Sachez que Laurent s'en fout de vos projets. C'est... Non, mais c'est-à-dire que... C'est-à-dire que je m'en fous de ce qu'en pensent les autres, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre du plaisir sur le tournage. Que toi, t'es content du truc. Quand le truc qui sort, je le partage. Mais c'est vrai que je regarde. Si j'ai pas des mentions sur Twitter, moi, je ne suis absolument pas ce que les gens en disent. Si ça plaît aux gens qui m'ont appelé, moi, c'est, ça, ça me suffit, quoi. Et attends, je voulais finir de répondre à Xenom. S'il y a d'autres, à propos des collaborations, sur l'album qui arrive, il y a une collaboration avec Volker X. Donc, il y a un morceau qu'on a fait ensemble. Enfin, un morceau que j'ai fait, sur lequel j'ai invité, il a fait quelques trucs. Et c'est d'ailleurs aussi lui qui a fait le mastering de tout l'album. Voilà, pour les collaborations. Mais c'est vrai que j'adorerais faire plein de collaborations avec d'autres gens, mais souvent je manque de temps. Les gens me proposent des trucs parfois. Avec 2080. Je manque de temps. Bah pourquoi pas, carrément. J'aime bien 2080. À l'époque de No Life, c'est lui qui m'a motivé à faire l'électro, par exemple. Tu vois. Bah, je l'ai reçu aussi sur Twitch. On avait le projet de faire un petit live de musique électro sur ma chaîne. Il voulait un peu soutenir ma chaîne, dire moi je vais t'envoyer du monde, on va faire un live. Mais au final, on est trop occupé, lui comme moi, et on n'a jamais concrétisé le truc. Parce qu'en plus, Walid, il est un peu comme toi, c'est-à-dire que. Il faut que ce soit nickel en fait, et s'il se dit ça va être de l'à peu près, il préfère pas faire que de faire un truc bof. Ouais, donc, après moi ça dépend les trucs. Donc à chaque fois, il dit non, mais je le sens pas, ça va être pas. Tu sais, surtout quand c'est... si c'est pour lui, il s'en fout. Mais quand c'est pour faire un truc pour quelqu'un, il faut quand même que ce soit nickel, sinon il préfère pas faire que de faire un truc à peu près. Après moi ça dépend les trucs. Par exemple, si c'est pour l'album, oui, c'est quand il y a. Je vais faire attention à ce que ce soit parfait, que tu as passé énormément de temps dessus. Mais en même temps, sur des plus petits trucs, j'essaie aussi d'apprendre à délivrer, me dire c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois si le truc est pas parfait. Tu vois, genre les remixes et des trucs comme ça. Parce que je me dis, faut pas que je passe 7 mois sur des petits trucs à la con. Il y a des mecs qui disent « We are not your friends » en majuscule « not ». Oui, mais tu vois, les gens, ils ont bien réagi au clip, ils sont contents. Ah ouais, ils sont à donf. Le clip a fait peu de vues, je trouve, parce qu'on était l'algorithme YouTube l'a très peu mis en avant. 9600 vues. Si je compare avec les singles qu'on a sortis il y a 3 ans pour le premier album, ça fait très peu de vues. Bon, aussi, il faut voir aussi des fois, il y a des trucs bizarres qui se passent. Moi, j'ai fait un live, donc si vous voyez ce replay sur YouTube... Et que vous avez regardé le replay jusqu'à ce moment-là, parce que ça fait quand même plus d'une heure qu'on est en live, donc vous avez des problèmes. J'ai fait un live sur la Vélotipie, donc sur la génération de sous-titres en direct pour les allocutions du président et tout ça, et là, pour tout ce qui est accessibilité aux personnes sourdes. Et ça n'apparaît pas dans le fil d'actu des gens qui sont abonnés à ma chaîne. Et j'ai vérifié avec d'autres chaînes, parce que moi je suis en filou, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Donc je me suis abonné à ma propre chaîne, et j'ai regardé, et ouais, ça n'apparaît pas. Donc il faut aller sur la chaîne YouTube pour voir apparaître la vidéo. Dur, c'est ok. Même, il n'y a pas de notification là-dessus ? Il n'y a rien, il n'y a pas de notif, ça n'apparaît pas. Mes abonnements, ouais. Ça n'apparaît pas. Il faut que tu ailles manuellement sur la chaîne pour voir dans les vidéos, et là ça apparaît. Et le trafic que j'ai eu sur cette vidéo-là, c'est grâce à LinkedIn. Parce que Vox a direct a partagé la vidéo sur ses réseaux. Donc okay. J'ai majoritairement des gens qui viennent de LinkedIn, s'il te plaît. Ok. Mais alors, si je compare avec le clip, je pense que le clip, les gens ont bien reçu la notif et c'est apparu. Ouais. Mais disons que c'est resté dans la bulle des gens qui étaient abonnés à la chaîne du label. Et que par contre, ça a été très peu recommandé ailleurs, en fait. Ah oui, en random pour les suggestions, voilà, et tout ça. Voilà, ouais. Donc, je doute pas du fait que les gens aient reçu une notif. Mais c'est plutôt recommandé. Enfin, toucher d'autres gens qui n'étaient pas abonnés, par exemple. Bah, y a aussi des potes qui ont des contacts chez YouTube qui expliquaient donc des trucs en interne qui sont, c'est pas des secrets, c'est des trucs plutôt basiques. Mais c'est un détail, c'est que tout le monde dit abonnez-vous et activez la cloche. Bah oui, la cloche. Il faut pas activer la cloche de toutes les chaînes YouTube auxquelles vous êtes abonné, ça sert à rien, vous êtes déjà abonné aux chaînes. Il faut activer la cloche pour les chaînes qui sortent peu de vidéos. Parce que YouTube est limité dans le nombre de notifs qu'il vous envoie par jour. Donc c'est si cool. Un jour vous avez... moi je suis abonné à 129 chaînes. Si j'ai 30 des chaînes pour lesquelles je suis abonné qui sortent une vidéo le même jour, j'aurai pas 30 notifs. Il y a un plafond de notifs que ça t'envoie en fait. Donc c'est pour ça que de dire aux gens d'activer la cloche et après de dire... Oh,
mes abonnés qui avaient activé la cloche, ils n'ont pas eu de notif, donc je suis shadowban. Non, c'est juste qu'il y a, il gère le truc un peu comme ça. Moi, j'ai l'impression de recevoir à peu près tout. Ouais, peut-être qu'ils ont fait des mises à jour depuis, mais c'est vrai que la cloche, c'est surtout un outil pour pas louper des vidéos, des chaînes qui publient peu de vidéos. Mm-hmm. Si quelqu'un publie des vidéos tous les jours, bah t'as pas besoin d'activer la cloche. Tu sais que tous les jours, il y en a une, donc ça n'a aucun intérêt. Et moi, tu vois, c'est sur la chaîne d'un label, tu vois, par exemple, c'est pas ma chaîne. Ouais, ouais. Donc, ouais, y a pas que toi comme artiste dessus, il y en a plein d'autres. Non, il y en a plusieurs. Mais après, c'est toujours pareil, on va dire aux gens de faire comme ceci, comme cela, puis dans 3 mois, il y aura une mise à jour de l'algo, et ça va fonctionner différemment. C'est comme ça. Mais ouais, le coup de la cloche, malheureusement, ouais, c'est, à un moment donné, ça a beaucoup parasité le truc, parce que, ouais... Mm-hmm. Ils avaient expliqué en interne que oui, mais c'est normal. C'est qu'au-delà d'un certain nombre de notifs, YouTube n'envoie plus de notifs. Quoi. Ça n'a aucun intérêt. Pourquoi tu t'abonnes si c'est pour avoir une... Enfin, à la limite, t'abonnes pas. N'actionne que la cloche. Ouais, mais là, tu vois, on parlait en effet des notifications, des gens qui sont abonnés. Mais après, le nerf de la guerre, c'est aussi toucher les gens qui ne le sont pas, en fait. Ouais, c'est ça. D'avoir des c'est ça qui est compliqué, suggestions sur les côtés et tout ça. Ouais. Et Spotify, c'est la même chose, en fait. Comment tu sors de ta petite communauté pour toucher de nouvelles personnes? C'est là que c'est dépendant de l'algorithme, des playlists et ce genre de choses. En fait. Algo, j'ai l'impression que le côté organique d'Internet, d'une diffusion d'une vidéo, ça reste quand même Twitter, Insta, TikTok un peu. Vous parliez sur le live de Marie là, de faire des musiques ou des vidéos qui étaient TikTokables pour que ça... Ouais, je vais essayer. Pour que ça buzz. Alors, pas mais oui. Mais après, il y a une démarche qui est... qui se fait un peu marketing quoi derrière, tu vois, tu te dis ouais, ce morceau là il est bien mais faut que je le modifie pour qu'il puisse se partager plus facilement sur TikTok. Là tu fais pas ouf. Ah, pourquoi pas, après je sais pas, moi je sais pas, tu vois, les gens font comme ils veulent en vrai, mais... Ouais. Mais par contre, moi, ce que je dis c'est que c'est pas facile forcément toujours de pouvoir sortir de cette communauté de gens qui te suivent déjà. Ouais, puis vous parlez d'une meuf qui composait de la musique. Mmh. Et qui faisait des vues, mais vite fait quoi. Et puis à un moment donné, il y a une de ses chansons qui a été utilisée pour un TikTok et elle a explosé, elle a fait genre 2 millions de vues, un truc comme ça, sur une musique. Et puis derrière, elle a repassé dans l'oubli. Voilà, des pics comme ça. Ouais, mais t'as vu, même le top 50, c'est le cas. Hein. Ouais. À l'époque, t'as des artistes qui entrent dans le top 50. Mais alors que les morceaux, ils déchirent tous quoi. C'est juste que celui-là, ça a généré du trafic parce que les gens se sont dit, c'est quoi ce truc-là? Ah, c'est ça. Ok, cool. Et après, ils refont leur vie ailleurs, quoi, tu vois, c'est... Mmh. Ouais. Ok, yes. Et alors, très Xenon, très hype pour le nouvel album, en tout cas. Oui, à l'avenir, tu aimerais refaire des collabs. Ouais, on l'a déjà lu, ça. Oui, ouais, j'y ai répondu. J'avais dit The Algorithm, j'adorerais. Et j'ai aussi une collaboration de Volcorix qui arrive très bientôt. D'ailleurs, j'ai collaboré avec lui aussi, il n'y a pas longtemps sur son... Il a ressorti son premier album et j'ai fait un remix dessus. Yes, donc en dehors de ton album qui sort bientôt, là tout est bouclé en fait, là vous... Pourquoi le 12 novembre et pourquoi pas ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Vous attendez, vous faites monter la sauce ou alors il y a 2-3 trucs à régler avant la diffusion? Il y a... alors, il faudrait demander au label directement. Moi je suis moins au courant que, mais... Comme il y a un label, peut-être qu'ils ont un calendrier pour sortir les trucs. Alors il y a un calendrier sorti, ça c'est une chose, mais il y a aussi les distributeurs avec qui ils travaillent. C'est-à-dire qu'un album, pour un label comme ça, tu vois, l'album il sera disponible par exemple dans les Cultura, les Fnac, des trucs comme ça. Donc il y a un réseau de distribution, donc le distributeur nous c'est Seasons of Mist par exemple. Et voilà, et envoyer tous ces... Alors faire le pressage vinyle, le pressage CD, les envoyer dans les rayons, les machins comme ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Parce que là on parle de la France en plus, mais je sais que ça va aussi sur le continent américain, il y a quelques exemplaires qui partiront en Asie, etc. Ça c'est des choses qui prennent du temps, et puis après il y a, je pense que peut-être qu'ils sont intéressés par le nombre de précommandes aussi en fait avant de lancer le truc. Il répondrait mieux que moi évidemment là-dessus parce que j'ai pas tous les détails. Mais après il y a aussi le côté, oui, pendant 2 mois du coup, ce qu'on fait c'est qu'on sort un clip, on sort un single, il y a une deuxième vidéo qui sortira bientôt, non ce mois-ci j'ai pas la date, mais je dirais mi-octobre ou fin octobre, d'un nouveau morceau, donc un nouveau single qui sortira jusqu'à la sortie. Mais ouais, mais c'est surtout, je pense, lié au pressage des exemplaires physiques, des t-shirts aussi, du merchandising, et tout ce qui est lié à la distribution derrière. Ok. T-shirts de merchandising, Hollywood Burns, yeah. Ouais, t'as déjà une boutique où c'est disponible, comment? Vas-y.
Vas-y, balance le lien dans le chat. Vas-y, si t'avais une question, je peux répondre. Oui, balance le lien si... Ouais, je vais le trouver, attends. Je m'occupe de ça. Allez, si on monte à 200 viewers, on fait gagner un t-shirt. Ouais, voilà, si des gens qui veulent qu'on ait des t-shirts, ils sont... Ou un vinyle d'ailleurs, ils sont disponibles sur la boutique de Blood Music. Oh, hier, yeah, magnifique. C'est que de la précommande pour l'instant, c'est tout. Faudra attendre un petit peu. Hier. Yeah. C'est la classe. En plus, je kiffe le bleu, le violet. Bon, ça se voit un peu sur ma chaîne, c'est un peu le thème de la couleur. Mais... oui, je pense que. Alors, c'est pas calculé, mais c'est des couleurs un petit peu tendance. Donc, peut-être que ça va marcher, je sais pas. Ah, bah, sur Twitch, c'est très néon. De toute façon, tout le monde a des thèmes, oui, avec des noms, des machins. Dis ça, mais d'ici le 12 novembre, ce sera passé de mode. Et puis. Ouais. Et puis. Ça va faire un flop. Yes. Ouais, c'est grave, Twitch Core, je suis d'accord. Voilà, faut pas que ça. C'est Twitch Core. Mais la mode d'ici là, tu vois. Ah, le 12 novembre, là, c'est bon. Attends, mais 12 novembre, là, avec Marie, on va être à fond. Le 12 novembre, franchement, t'envoies au moins deux des albums. Minimum. Non, mais. Normalement, et Marie et moi. Les préventes qui ont été faites, je m'inquiète pas trop. J'ai pas les chiffres, mais. Minimum, garanti. Donc... non, mais c'est bien, sur Spotify, quand j'aurai les stats, c'est... je verrai qu'il y a que deux personnes qui écoutent. Je sais. On va mettre plein d'ordi en simultané à la maison, on va faire chauffer les serveurs. Oui, voilà. Regarde, il y aura une cave avec plein de chinois et plein d'ordinateurs. Putain, comme un sketch de genre du grenier. Avec... oui, voilà, c'est ça que je pensais. Pour le grenier. Non, c'est ouf. En vrai, j'avoue, je pourrais faire gagner un vinyle sur mon stream. Oh. Bah oui. Bah carrément, grave, on peut organiser ça, hein. Je suis d'accord. Mais attends, mais... juste avant de choper. Let's go. T'es en train de... Et si tu veux, Marie, ce qu'on peut faire, si tu veux, tu peux nous rejoindre sur le chat si tu veux en direct, en impro comme ça. Tu nous rejoins, Marie, ou pas? Ça, tu aimerais que t'envoies le lien de la visio par DM Twitter et puis tu nous rejoins pour expliquer 2-3 trucs parce que t'étais sur le tournage aussi. Let's go. Non, let's go, c'était pour le vinyle. Let's go, c'était pour le vinyle. Est-ce qu'il y a un deuxième let's go? Alors attends, vas-y, pour qu'elle va. Tu rallumes ton ordi, bah vas-y, c'est parti, moi je mets en double, comme ça. Merci Xenom. Merci beaucoup Xenom, et passe une bonne soirée. Yes. Donc je regarde, je prépare le truc, comme ça on va retravailler. Alors fais gaffe Marie, par contre, prends un compte Google où il n'y a pas ton vrai nom. Pour qu'on voit pas ton vrai nom en fait. Parce que sur les sous-titres. Je vais balancer sur Discord. Sur les sous-titres, il y aura ton vrai nom. Hop, je lance juste sur Discord et puis je retourne à vous. Voilà. Sur le Discord. Mais attends, par contre, les overlays, ça va aller? Ouais, c'est bon, j'ai un overlay. D'accord, avec... très bien. J'ai un overlay avec tout ce qu'il faut. Je suis en train de l'adapter vite fait, là, mais c'est bon. Comme tu veux, Marie. Toc. Toc. Bon alors, sinon, en attendant, quelle est votre mort préférée dans le clip? Top 10, top 10 des pires morts du clip, tu sais. Top 5. Moi, je mettrais Laurent en premier. Laurent, top 1. Top 1. Si vous êtes d'accord, lâchez un follow. On va faire un poll, tu sais. Alors, Marie Kigaï. C'est bon, t'inquiète pas, j'ai déjà envoyé le lien. Marie Kigaï, et je mets quoi pour Marie Kigaï? Je mets femme hollywoodienne. Femme moderne. Comment t'as dit quoi? Productrice de type hollywoodienne. Voilà. Bon, vas-y si tu veux, du coup tu veux qu'on enchaîne sur quoi après? Bah attends, on va déjà recevoir Marie, puis on va... En attendant qu'elle arrive. En attendant qu'elle arrive, je ne sais pas, écoute. Ah oui, je voulais te demander, est-ce que tu as d'autres projets à côté de Hollywood Burns en fait pour... Bah en fait, à part ça, pour l'instant je fais surtout du montage vidéo pour des gens.
des choses qui arrivent. C'est ça qui me rapporte surtout de l'argent pour vivre, en fait, simplement. Ouais, c'est ça. Et financer mes projets, d'ailleurs, aussi, parce que là, on parlait de financer un clip. Le clip, si j'ai eu assez d'argent pour le faire, c'est parce que je taffe en parallèle sur du montage vidéo. Donc, on parlait de Louis-San, par exemple, tout à l'heure. Mmh. Oui, parce que Louis-San, c'est un chef d'entreprise, donc il rémunère les gens qui montent pour lui. Heureusement. C'est un... Oui, bah oui, à partir du moment où c'est une activité professionnelle... Qui se pose la question, bah oui, c'est un chef d'entreprise. Hein, c'est un chef d'entreprise. Il a sa boîte de prod et tout. Donc, c'est un CEO de la Louis Corporation. Louis Corporation, voilà. Ici, j'ai un corp, là. Il y a Louis-San Corp, voilà. Oh, attends, là, on est en train d'inviter Marie pour nous parler de Louis-San. Tu sais que c'est son idole. Hein? De quoi? Louis, c'est l'idole de Marie. Ah bah, c'est l'idole de tout le monde. Hein. Moi, je suis... Je suis à fond aussi, hein. j'aime bien Tev et Louis, tout ça, j'aime bien. Oui, je force un peu. Mais oui, du coup, en parallèle, je fais ça. Et puis, temps, je fais des petits remixes. En fait, voilà, les remixes que vous pouvez voir sur mon Twitter ou sur YouTube de temps en temps, c'est des trucs que je fais en parallèle pour aussi... parce que ça met du temps à faire un album, en fait, tout simplement. Mmh. Et parce que j'ai envie de m'amuser à faire des petits trucs aussi de temps en temps. Du coup, ça vient de là, tous les petits sons qu'on trouve sur mon YouTube. Accepté. Voilà. Alors. Regardez cette streameuse. Oui. Cette vraie streameuse. On t'entend. Enfin, une vraie streameuse. Alors, je vais ajuster le truc pour que ce soit bien. Alors. Marie, comment ça va? On t'entend super bas. Que tu montes le son de ton micro. Je pense que pour les autres c'est pareil parce que là c'est un peu la même merde. Alors on t'entend toujours pas. Ouais, on t'entend pas. Allô, ou très oui. Très bas. Yes, voilà, c'est on mieux. Oui, c'est parce qu'il m'a pas pris le micro. T'as vu micro. Marie, elle arrive, il y a déjà son chat qui monte son cul. Hein. Oh, direct. C'est ma destinée. C'est oui, hey. Ça y est, t'étais déjà en train de me disclose en mode fan de Louis-San, quoi. Bah oui, oh là attends. En attendant, on parlait de Louis-San. Quelle indignité. C'est ça qu'on aurait dû mettre. Regarde, t'as mis. T'aurais dû mettre. Voilà, Marie, on aurait dû la présenter comme ça. T'aurais dû écrire ça en dessous. Je vois que t'as écrit Emmerich Olivier, réalisateur et compositeur indépendant. Ah ouais. Marie, toi, tu mettre fan de Louis-San. Fan number one de Louis-San. Je peux le mettre, hein, je peux le mettre. Non, ça va, merci. Non, ça va, c'est bon. Chef du Sim Club. Mais voilà. Hop là. Alors, attends, je termine le truc et ça va être absolument merveilleux. J'adore parce qu'en plus, du coup, le truc de traduction automatique sur l'écrit, il a écrit fan de Louis XV et non pas fan de Louis. Voilà. Et attends, moi, il avait écrit Hollywood Birds, les oiseaux d'Hollywood. Et ça crée des méta différents. Bah ouais. Ouais, du coup, je vais me renommer sur tous mes réseaux sociaux Hollywood Birds. Non, mais Birds. C'est nos réalités sur Terre 3, sur les oiseaux. Nos vies parallèles. Hey, il est trop bien ton overlay là. Bah voilà. J'avoue, il est grave propre. Productrice de type Hollywood. Incroyable, ça me fait une réputation. Non, puis j'ai pas un arrière-plan aussi beau que le vôtre, donc moi je triche, j'ai un fond vert. Voilà, comme ça c'est plus simple. Bah ouais. Tu vas pouvoir faire comme Medoc et avoir des doubles. C'est ça. Ouais, le comment dire le varlet, c'est ça, voilà. Donc c'est en fait, c'est mon bureau, c'est vraiment comme ça, en fait, hein. Sauf que du coup, pour avoir ça derrière moi, il faudra que je tourne le dos à la caméra, donc ce serait compliqué. mais ouais, donc alors Marie, oh là là, alors le tournage là, explique nous un peu tout, comment il t'a martyrisé, qu'est-ce que t'as géré à sa place, est-ce qu'il a fait quelque chose au moins sur le tournage? C'est scandaleux. Tu sais que c'est toujours les femmes qui s'occupent de tout et les Mais évidemment, je passe mon temps à le répéter. Non, franchement, en fait, quand on s'est rencontrés, je pense que ça faisait pas très longtemps qu'on s'était rencontrés avec Emmerich et il commençait à me parler sérieusement de son clip là. Et puis quelques jours auparavant, je lui fais mais t'as pas, je sais pas, est-ce que y a moyen que je vienne voir comment ça se passe ton truc là, parce que j'ai jamais participé au tournage d'un clip. Et je suis dans ce moment de curiosité professionnelle, tu vois, où je me dis, vas-y, je tente plein de trucs parce que j'ai une vie indépendante depuis
depuis quelques mois et bah, c'est l'occasion ou jamais de s'y mettre avec l'argent du chômage. Merci le chômage de me payer ma vie indépendante à côté. tu as cotisé pour les allocations chômage pendant que tu travaillais, donc j'ai absolument. Et du coup, je peux travailler pour beaucoup moins cher pour des projets affinitaires, ce qui est cool. Et comme en plus, moi, tu sais, j'ai la culture associative aussi, donc ça me gêne pas. Ouais. Bah, j'essaierai de. C'est moi qui vais faire le forceur, mais j'aurais besoin d'un coup de main. Là, il n'y a plus grand monde, donc c'est vraiment. Je suis nul en communication. J'ai un projet qui sort bientôt, un projet socio-éducatif, et j'ai une canicule qui va popper dans quelques jours. Elle aurait dû popper ce soir, mais Ulule, on a dû échanger une cinquantaine de mails depuis jeudi. J'en peux plus. Ah ouais. Parce qu'il y a un projet que je vais essayer de financer pour en gros, c'est un site éducatif pour fournir gratuitement des ressources à des parents qui ont des enfants avec handicap pour les aider à apprendre à communiquer et à parler avec des mots. Donc il y a plein de trucs qui existent et c'est vendu à des prix complètement dingues. Et donc le projet en gros c'est de financer un site avec nos propres ressources éducatives qui seront mises à disposition gratuitement pour tout le monde. Oh, avec des banques d'images, des tutos, vidéos, etc. Et il faut juste qu'on ait une cagnotte de départ pour rémunérer la graphiste, parce que rémunérer les graphistes c'est important. Et ça fait 4 mois que je suis dessus, j'en peux plus. Je me couche à 1h du mat, j'en ai marre. Et voilà, donc ouf, Emeric a pris un abonnement de niveau 1, oui, mon Dieu, Emeric. Attends, tu parlais de faire financer tes projets, donc je me dis, oh là je là pense là que là c'est là une là manière, là. Tu as ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh là 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 là. Le grand mécène. Donc ouais, il y a une cagnotte Ulule, et en gros, bah, là j'attends la Twitch Money, parce qu'il faut que j'atteigne 100$ pour pouvoir réclamer le paiement, là je suis à 82$, donc voilà, dès que je touche la Twitch Money, je la fous dans le Ulule. Pareil, les types et les trucs, et en gros, il faut que les gens ils s'abonnent, demande aux gens de s'abonner, c'est comme ça que ça marche. À la limite, s'ils mettent plutôt sur le Ulule quand il sortira, ce sera mieux, parce que sur Twitch, il y a 50% de commission, alors que sur Ulule, c'est que 8%. Ouais. Donc voilà, puis en plus, il y a des contreparties sympas, et surtout sur le projet Ulule, j'en reparlerai avec les personnes qui bossent dessus avec moi en bénévole, mais les contreparties, c'est pas forcément pour les gens qui mettent dedans, parce qu'ils sont pas tous concernés par le handicap et tout ça, mais ça va générer des contreparties pour les gens qui, c'est un peu comme les cafés suspendus, tu vois, tu payes 2 cafés, t'en bois un, et le deuxième c'est pour un SDF qui va venir dans le bar et qui va demander un café suspendu. Bah là c'est un peu la même, tu prends une contrepartie et les personnes qui ont besoin de tel truc, et bah ils l'auront gratuitement de ta part. Donc c'est ceux qui d'image vous êtes envoyé de la part de nom du contributeur, etc. Donc il y a un délire comme ça, et bref, je veux pas en parler des heures. Bah si, mais attends, justement. Si, comment ton projet? Ça s'appelle Des images pour parler, c'est pas encore en ligne, ça sera sur Ulule. Là, je peux montrer vite fait en faisant un partage d'écran, mais en avant-première. Bah oui, vas-y, c'est le moment. Et je vais mettre en mode comment on peut faire ça. Touk touk touk. Hop. Ouais, voilà. Donc des images pour parler sur Ulule. Oh là là. C'est compliqué tout ça. Voilà, des images pour parler, donc des banques d'images avec emploi du temps visuel, un manuel, le numéro d'appel d'urgence avec différents types de visuels en fonction des capacités des gamins généralisés, des images pour les classeurs de communication pour pouvoir faire des demandes quand on n'arrive pas à parler correctement, pour faire émerger le langage, et puis voilà. Et ça s'adresse à quel type de public? Tu disais que c'est plutôt surtout des personnes, surtout les familles, des personnes en... les familles qui n'ont pas de prise en charge ou qui ont des difficultés financières pour s'acheter des ressources éducatives pour leurs gamins. Ouais, il n'y a pas d'aide d'État par rapport à ça? C'est compliqué. compliqué. C'est-à-dire que concrètement, pour tout ce qui est prise en charge, quand ils sont pris en charge en institut, c'est complètement pris en charge, il n'y a pas de souci. En libéral, c'est de ta poche. Tu as une partie qui est remboursée, mais c'est pas ouf par rapport au prix que ça coûte. Moi je le sais parce qu'en tant que papa, mon fils il a des prises en charge, et en gros j'ai une séance de psychomote qui est remboursée par an et il y va toutes les semaines, donc voilà, c'est tout compliqué pour
pour... Les fameuses dépenses de confort, n'est-ce pas ? C'est ça, exactement. Donc, les contreparties, donc voilà, il y a plein de choses. Trop sympa. Et donc, en gros à 100%, c'est 5000 balles et on finance le projet. Et il sort en mars. Et si on arrive à 150%, on rémunère la graphiste à temps plein. Donc, tout est dispo en janvier. Alors, j'ai deux conseils à te donner pour tes envois presse. La verticale parentalité du magazine Mademoiselle qui s'appelle Daronne. Ouais. Je pense que les lectrices de Mademoiselle vont vraiment apprécier le projet parce que c'est un projet d'intérêt général et il y a pas mal de parents qui lisent le magazine. Donc, à mon avis, ça peut vraiment leur plaire si je peux te filer le contact de la rédac chef si tu veux. Oui, parce que j'étais en contact avant, parce qu'ils avaient déjà... ils m'avaient invité, j'avais fait une interview chez mademoiselle.com, mais c'était en 2015. Donc ils étaient à fond sur Point de Vue Social, parce que c'est un projet de Point de Vue Social. Je ne rémunère pas dessus, qu'il y a que la graphiste qui est payée, c'est une graphiste indé, donc elle fera une facture. J'ai passé ça sur l'association Point de Vue Social pour ne pas payer 20% de taxes sur un projet où je ne me paye pas. Ouais. Et ça fait baisser l'addition en même temps. Sinon, le projet, il coûtait 15 000 euros. J'ai regardé, il coûtait 15 000 euros, donc j'ai dit « Ok, c'est bon, je ne me paye pas ». Mon ami psy qui bosse dessus avec, elle se paye pas non plus. Et comme ça, on est descendu à 3000 balles. Mais il n'y avait rien dessus. Donc on s'est dit, faut quand même mettre des contreparties. Donc au final, avec les contreparties, je suis tombé sur un imprimeur indépendant qui a un neveu autiste, qui était à fond sur le projet. Donc il m'a fait un devis à prix coûtant. Et on a tout vu au moins cher. Le site, pareil, j'ai déjà un compte OVH avec des sites que je peux héberger dessus. J'ai déjà un design WordPress. Donc en fait, voilà. Le budget pour le site, c'est 320 balles, juste pour le .fr sur quelques années, et puis deux, trois fioritures. Donc, on a serré au max le budget pour avoir le plus de chances possible pour le rémunérer, pour le financer. Je peux diffuser la bande-annonce en avant-première, hein, si vous voulez. Grave. En plus, j'ai récupéré les mêmes musiques, donc on va entendre la même musique plusieurs fois. Alors, attends, je vais enlever... Hop, toc, j'ai enlevé ça pour qu'on voit correctement le truc et agrandir ça pour qu'on voit la totalité de l'image. Yes. Merci OBS. Oui, merci. Et donc t'as dit le Ulule, ça sera lancé quand ? Dès que Ulule me dit c'est bon, vous pouvez y aller. Okay. En gros, bientôt, c'est imminent, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Et je vais mettre les sous-titres aussi pour les personnes qui... Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis éducateur spécialisé auprès d'enfants avec troubles autistiques et je vais vous parler aujourd'hui du projet Des Images pour Parler. T'as du son, quoi. Des Images pour Parler, c'est un projet éducatif qui a pour but de mettre à disposition gratuitement des ressources éducatives pour aider le développement de la communication chez l'enfant. Le projet se présentera sous la forme d'un site internet où l'on trouvera des outils et des guides vidéo pour travailler différemment le développement de la communication et l'émergence du langage chez l'enfant. Ce sont des outils que mes collègues éducateurs et moi-même mettons en place quotidiennement partout en France auprès d'enfants avec troubles du spectre autistique, que ce soit en institut spécialisé, dans les écoles ou à leur domicile lors de guidance parentale. Bien évidemment, ces outils ne sont pas exclusifs à l'autisme et peuvent tout à fait être adaptés à toute personne ayant des besoins spécifiques pour pouvoir développer la compétence de communication. L'idée est d'emprunter un chemin différent pour pouvoir aider l'enfant à développer la communication et favoriser l'émergence du langage. Ces outils existent déjà dans le commerce, mais sont trop chers pour que l'ensemble des familles puissent en bénéficier. Il faut compter entre 30 et 150 euros pour avoir des kits d'images plus ou moins complets. Les banques d'images appartenant à des ayants droit, il est impossible de les mettre à disposition gratuitement de manière légale. Avec des collègues, nous avons décidé d'élaborer ensemble une banque d'images originale et adaptée, afin de pouvoir la mettre à disposition gratuitement sur Internet en toute légalité. Pour m'épauler dans ce projet, j'ai pu compter sur Estelle, psychologue spécialisée dans les troubles autistiques, ainsi que sur Pauline, graphiste professionnelle, toutes les deux très investies et sensibles à ces thématiques. Vos dons serviront principalement à rémunérer le travail de graphiste de Pauline et à assurer la maintenance du site pour les prochaines années. Il y a de nombreuses contreparties pour remercier les personnes qui nous aident à développer ce projet. Elles sont décrites plus bas, mais j'aimerais vous en présenter deux en particulier. Tout d'abord, un livret illustré de 52 pages, en physique, qui vise à sensibiliser le grand public aux questions de communication et à la transmission de cette compétence.
À la manière des cafés suspendus, vous avez également la possibilité de financer des kits d'images qui seront stockés, puis offerts de votre part aux familles qui en feront la demande sur le site. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et des autres. Voilà. Trop bien. Trop bien, trop cool. Bonjour, ouais, je m'appelle Laurent. Cool, et en gros, voilà, ceux qui bossent avec moi sur le projet, c'est une collègue psy avec qui j'ai bossé en 2015 dans une unité d'enseignement autisme en maternelle. Estelle, hop là, qui est là. Voilà, Estelle, je crois que c'est une des plus belles personnes que j'ai eu rencontrées depuis que je bosse là-dedans. Elle fait du 7 sur 7. À 23h, je l'appelle, on parle d'un gamin et elle me sort des référentiels pour pouvoir avancer sur les trucs. Et là, c'est Pauline qui a fait, mon arrière-plan, donc l'arrière-plan de mon bureau. Voilà. Et tous les designs du Ulule. Donc, qui a supporté mes exigences un peu tordues des fois sur les designs. Bah, félicitations. Si ça marche, parce que là, on a 5000 balles à lever. Et j'ai peur que c'est des difficultés à percer parce que c'est un truc. C'est un truc. Il n'y a pas de merch en fait. C'est vrai que tu regardes les crowdfunding de Noob et tout ça. Les gens, ils achètent des précommandes en fait. Ils ont de la BD, ils ont du t-shirt, ils ont un CD, une boîte pour une boîte Super NES pour le jeu Noob et tout ça. Les haches en mousse de Bob Lennon. Alors que là, c'est vrai que tu vas mettre des sous concrètement. On va regarder le truc. On va mettre en gros. Ouais, mais en même temps, c'est un projet avec un fort impact social. Donc là, on est complètement HS. Hein, je suis vraiment désolé, mais je voulais pas vous vampiriser le stream. Mais c'est pas grave. Vous posez des questions. Hop là, tac, tac, tac. En gros, les contreparties, hop, elles sont là. En gros, fil d'actu. Le nom dans le livre d'or du site, le nom dans les remerciements illustrés. Le but, c'est d'avoir le plus d'argent possible pour financer le projet et d'essayer d'avoir un peu de contrepartie. Mais si on fait énormément de contrepartie, forcément, ça va. Ça marche bien quand tu fais de la prévente, quand c'est un crowdfunding pour un album ou pour une BD ou un truc, ça a du sens. Mais là, le but, c'est de financer un projet. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué de proposer des contreparties qui donnent envie et qui coûtent rien. Et le livre illustré, là, on le propose au format numérique. Voilà, concrètement, au format numérique, ça ne coûte rien. Une illustration de Pauline. Alors ça, c'est Pauline qui va faire une illustration spécialement pour le crowdfunding. Donc tout le monde, tous ceux qui participent pour recevoir l'illustration au format numérique, toutes les contreparties précédentes. Un kit d'images au choix. Donc là, c'est les kits d'images suspendus. Donc les kits d'images, ça va être soit des kits d'images pour l'emploi du temps visuel, aller à l'école, dormir, se brosser les dents, soit un kit d'images pour l'emploi du temps visuel, pour le classeur de communication, soit un kit d'images pour appeler les secours avec les plaquettes d'infos. Ouais. Après, il faut voir aussi, dans le contexte, attente de modification. J'ai trois messages, merde. Ah bah tiens, je vais pas les lire maintenant. Oh putain, c'est tendu, j'ai trop envie d'aller voir les messages maintenant pour voir ce qu'il y a. Ça se trouve, elle me dit que je peux le mettre en ligne. Attends, juste... Oui, passe hors stream d'abord. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle me raconte qu'est-ce qui se passe? Ok, elle m'a juste répondu à une question que je lui posais et donc il n'y a rien d'autre. Bon. Ok, bon, tant pis. C'était pour les... Mais tu sais quoi, c'est pas grave. Et je te dis, ça te laisse le temps de pré-shot le projet à des... Notamment, je pense, pour moi, les lectrices de Mademoiselle, elles seraient chaudes de financer un projet comme ça. Et je pense aussi à la communauté de Fabrice Florent, que tu connais aussi, qui, lui, est très porté sur les sujets parentalité actuellement. Enfin, il a les podcasts dominants sur le sujet des darons, notamment. Je suis ce qui fait de loin, toujours, parce que c'est toujours le problème quand tu produis du contenu et... Moi, je fais des journées 8h, 1h du matin depuis Bien mois, sûr. Et j'ai pas le temps de consommer en fait des trucs. Pour dire, Emmerich le sait, j'ai des petits problèmes avec la saga Resident Evil. Je suis un petit peu fat. J'ai juste une pièce qui est consacrée à cette saga et j'ai des statues, des machins, des trucs. Et j'ai reçu le jeu avant tout le monde.
J'ai pu lancer le jeu un mois et demi après tout le monde. C'est que j'avais pas le temps. J'avais pas le... Entre mon fils le week-end et le boulot, puis l'associatif le soir et tout ça. Oui, tu m'étonnes. Et du coup, ouais, je suis de loin, mais des fois, j'empile les URL des trucs que je mets de côté pour regarder plus tard. Et c'est chaud, quoi. C'est chaud cacao, comme dirait un compositeur de talent. Moi, j'ai vraiment dit ça, moi. Ouais, t'as dit ça pour le prochain morceau qui va sortir, t'as dit ouais, puis il commence ah oui. Cool et après ça vire chaud cacao. Et ça vire cacao, ouais. Ça vire cacao. Kit d'image suspendu, donc offert au choix. Parce que dans le contexte, en fait, ça s'adresse à des publics où il y a les enfants qui ont les troubles de la communication et du langage. Ouais, je sais, mais justement, parce que Fab, donc, il fait beaucoup de sensibilisation aussi à ces sujets-là. Il a déjà eu des darons qui ont des enfants avec ces problématiques-là aussi. Et du coup, je me dis, ça peut vraiment intéresser ce public, quoi. Bah, je lui enverrai un mail, je lui parlerai de ça, je lui dirai, bah écoute... Bah, t'as rien à perdre. Si tu veux, ouais, bah, au pire, il me dit, bah non, je peux pas. Le problème, c'est que j'ai plein de potes qui ont beaucoup, beaucoup de followers, qui sont... Ils roulent sur leurs followers. Ils roulent sur le YouTube game, je veux dire. Ils roulent sur le YouTube game. Le mec, il retweet un truc, le truc, il monte en top tweet. Enfin, voilà, c'est des trucs. Mais, ouais. Mais le problème, c'est que s'ils partagent un Ulule, derrière, t'as 100 personnes qui vont venir les voir. Et puis moi, j'ai aussi un projet. Donc, c'est pour ça que... C'est ouais, compliqué mais quand pour c'est eux de dire oui, parce que si tu dis oui à une personne, t'es obligé de dire oui à 20 derrière. Ouais, oui, mais sauf quand c'est un projet qui est dans ta ligne éditoriale. Et c'est pour ça que je te parle de Daron et de... Oui, c'est vrai, t'as pas tort. En fait, comme c'est ouais. Intégralement dans leur ligne éditoriale, ce sera pas du tout surprenant qu'ils partagent un projet comme ça. Si demain, ils partageaient un projet musical, bon, là, je serais là, wow, ok, wow, c'est un peu qu'est-ce bizarre. Qu'est-ce que c'est, tu c'est vois. Un copain ou quoi c'est... mais ouais, d'accord. Bah écoute, je vais voir ça, parce qu'il y a le... il y a ça, les kits d'images offerts. Après, c'est un exemple. Alors là, c'est le truc à 30 balles. C'est le livret illustré au format physique. Donc, c'est un livret de 52 pages. Parce que, comme c'est format 5, c'était des multiples de 4. Ouais. Et l'imprimeur m'a dit, bah, c'est le même prix entre 48 et 52. Je fais, vas-y, fais 52. J'aurais du mal à faire que 52 pages parce que j'ai tellement de trucs à dire sur le sujet. Et je pourrais faire les dessins. Et c'est Pauline qui les mettra en couleur. Et en gros, ce sera pour sensibiliser aussi bien les ados que les adultes à ces thématiques-là pour que les gens comprennent. Les problématiques, avec des anecdotes de personnes concernées, avec des techniques d'approche pour sensibiliser ce que c'est que la sensorialité, les troubles de la communication, le fait de ne pas pouvoir recevoir une information et la comprendre correctement, plein de trucs comme ça. Donc c'est un livret qui est un peu central et qu'on a mis en pas trop cher pour que le plus de personnes possibles puissent en bénéficier. Quoi. Ouais. L'avantage VIP, là, c'est vraiment... il fallait mettre une contrepartie en tête de liste, j'ai mis celle-là parce que l'avantage VIP, l'accès anticipé aux vidéos Twitch, je trouvais que ça faisait un peu ego trip de mettre ça en premier. Genre, c'est le truc que tout le monde s'arrache. Non, c'est faux. c'est faux. Choix du sujet d'un live Twitch. Mécène, c'est juste pour la blague en fait. C'est ouais, tu mets un chiffre rond, t'es content, mais c'est la même chose qu'à 70. Ouais. Choix du sujet d'une vidéo YouTube. Choix, c'est-à-dire qu'ils choisissent vraiment ou alors ils. Non, il me dit, je voudrais que tu fasses un vlog là-dessus et je fais un vlog là-dessus. Non, il n'y a pas de souci là. Il faut que ça reste dans du social. S'il veut que je fasse un vlog pour expliquer des anecdotes de la Flandorse, je le fais. Franchement, d'accord, le mec qui met 150 balles dans le projet, voilà. Comment tu fais cuire tes pâtes, j'imagine, tu vois. C'est juste qu'après, bah, si voilà, il veut faire un vlog comment tu fais cuire tes pâtes, et bah, je mettrai ça sur la chaîne YouTube, Laurent Social, quoi, voilà. Et ben, il y a un tel qui a participé au projet des images pour parler, bah, pour le remercier, il a demandé un vlog là-dessus pour la blague, et ben, bah, on va jusqu'au bout du délire. Je fais vraiment le vlog sur comment cuire les pâtes. Il n'y a pas de problème, quoi. 150 balles, il le mérite son vlog sur les pâtes. Il n'y a pas de problème. Je trouve que j'ai très envie de voir ça. Du coup. 150 balles, c'est pas rien quand même. On est sur moi, je t'avoue, je mettrais 250 balles pour. Bah ouais, l'illustration de Pauline, format A4, ouais, c'est charmé, quoi. Donc, Pauline, en plus, elle a un talent fou, quoi. Elle communique peu, elle a des réseaux sociaux, mais ils sont vides, en fait. Je me dis, qu'est-ce que tu fais? Elle avait 30 followers sur Twitter, j'ai partagé son Twitter, elle est montée à 150. Elle était comme ça, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est... Si ça avait été Louis-Anne qui avait fait la même chose, elle serait montée à 10 000, tu sais. Voilà. Faut que j'aille voir, c'est quoi son... Tu sais que tous les... quasiment tous les abonnés sur ma chaîne YouTube, c'est des gens qui viennent de Cyril MP4, par exemple. D'accord. Et puis One Shot, après, s'il y a vraiment un business angel, enfin... Pas vraiment abusé parce que les business angels ils cherchent quand même à avoir un retour sur investissement. Là, le site tout sera gratuit donc concrètement ça générera rien du tout. Il y aura un bouton pour les gens qui veulent faire un don pour financer des plus de banques d'images, mais concrètement, les gens ils viennent, ils bourrent leur disque dur pour leur gamin et ils s'en vont quoi. C'est un peu l'objectif du site quoi, de disrupter un petit peu tout le business qui est autour du handicap sur ces ressources là qui
qui coûtent pas grand chose à produire et qui sont vendus à des prix, mais oh, moi ça, à ouais, chaque fois que je vais sur le site de PEX France, moi ça me donne des palpitations, quoi. Putain, j'ai dit leur nom. Voilà, bon, bref, je fais. Parmi tant d'autres, voilà. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est tout ce qu'on finance avec les 100%. Et voilà, bref, on revient sur Hollywood Burn. Hop. Hollywood Burn. Voilà, Hollywood Burn. Vous avez eu un petit aperçu du projet en avant-première pour les quelques personnes qui étaient là, les VIP. Ben ouais. Et les VIP, il y a. Attends, je sais ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a, des images pour parler. Un compte Twitter que j'ai créé. Donc, tac, hop là. Je vais choper. Parce que je me souviens plus. Je l'ai créé fraîchement. Donc, je me souviens plus. Voilà. Hop. Je mets le lien. Oui. Yeah. Je mets le lien du compte Twitter comme ça dessus. Si vous activez les notifications, vous. Sur ce compte Twitter, vous aurez une petite alerte quand le crowdfunding sera actif. Donc point de vue social, mais point de vue social parle de beaucoup 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 de choses. Donc si vous n'êtes pas à fond dans le délire handicap et tout ça machin, suivez uniquement des images pour parler pour suivre le projet, et ce sera cool. Et puis j'ai hâte que deux followers en plus, Marie et Emric, merci. C'est pas vite. Non, mais le compte, il a 3 jours, quoi. Vraiment, là, on est à 6 followers. Il y a tous ceux qui bossent sur le projet, puis 2 potes qui vont nous aider pour la communication. Mais, voilà, on pourrait dire, on était là au début. On était là. On faisait partie des vrais. Mais ouais, je suis un peu tendu parce que j'ai peur que ça prenne pas du fait du côté un peu no merch du truc. Effectivement, avec les bons réseaux, ça peut peut-être marcher. Moi, je pense. Il y a des gens qui ont envie de s'investir là-dedans. En étant transparent là-dessus, surtout, tu vois, enfin, voilà. Que ça crée pas de déception. Et je trouve que ta métaphore avec ton analogie avec le café suspendu, elle est intéressante et c'est un bon élément. Tu parlais de faire de la communication sur le projet, moi c'est un truc que j'aime faire. Je pense que c'est un bon élément de storytelling pour que ça accroche les gens, parce que ça commence à être du concept assez connu. On est dans une période de crise où on a envie d'aider, surtout quand on a un petit peu plus de moyens que d'autres personnes. Et je pense que ça peut toucher du coup un public. Je sais qu'il est là, il faut juste effectivement tomber dans les bons réseaux. Donc il faut être un peu précis dans ton ciblage, surtout pour ne pas perdre d'énergie à envoyer ça à des gens qui ne sont pas intéressés. Mais ça... Bah, je vais saouler tous mes potes sur Facebook, je vais perdre la moitié de mes contacts, dire putain, je ne suis pas payé cher pour ça en plus. Hein, c'est malade. Non, c'est un projet, ça fait 4 ans qu'on y pense en fait. Ça fait 4 ans qu'on y pense avec Estelle. Et là, au mois de juin, je me suis sorti les doigts des poches. Je me suis dit, il faut que je le sorte. Et j'avais envie, naïvement, je me suis dit, je vais bidouiller un truc sur Ulule en 4 semaines et je vais le sortir pour mon anniv au mois de juin. Comme ça, je dirais, bah, pour mon anniversaire, bonjour les fans de la Flanders. Si vous voulez me faire un cadeau d'anniversaire, et bah, ne m'envoyez pas des sous. Financez un beau projet qui est cool. C'était en juin. On est en octobre, le truc n'est toujours pas sorti. Écoute, c'est pas grave, naïf. Change ta date d'anniversaire. J'étais naïf. Dis-leur que c'est en octobre. Non, tu vas à la mairie, tu fais changer. À la base, je voulais le sortir en septembre, mais ça a pris du retard. Et là, il faut juste que ça sorte, parce qu'après, on va arriver, les gens seront sur leurs achats de Noël, donc ils vont dire, désolé, je ne peux pas trop et tout. C'est malin. Ce qui serait normal. Donc voilà, c'est pas être égoïste que de penser à ces achats de Noël pour ces gosses que à donner des sous pour un projet qui concerne les gosses des autres, c'est normal. Après, la période de Noël, ça peut être aussi une période intéressante pour ce genre de crowdfunding si tu tournes ta communication autour du fait de mettre sous le sapin un cadeau à des personnes qui n'en ont pas les moyens, tu vois. Ça a ses avantages et ses inconvénients, la période de Noël, parce que des fois les gens justement cherchent à faire des bah, ils sont en fait ils sont c'est très que t'as généreux. Pas les mêmes personnes qui vont de participer, quoi, c'est ça le truc, c'est faut voir qui tu cibles, parce que t'auras pas les deux en même temps, quoi. C'est ça, mais t'as jamais autant de dons aux associations qu'en décembre et janvier, hein. Peut-être pour la défisque aussi, parce que là moi je suis pas une association reconnue par l'État en fait, donc une association comme n'importe quelle, une association ça prend 4 clics à créer, tu vois, donc
mais les associations qui sont reconnues d'utilité publique par le gouvernement, tu peux avoir de la défiscalisation quand tu fais des dons, ce qui n'est pas le cas pour Point de vue social. Quand tu... Ouais, mais au-delà de ça, les gens, ils ont aussi plus de générosité à ce moment-là parce qu'ils savent que c'est des périodes plus difficiles pour les personnes précaires à cause de la crise, tu vois, la précarité énergétique. Tout ce qui est Covid, où on voit tous ceux qui ont été plus en galère que les autres quand ils étaient... C'était chaud. Donc voilà, bah, écoute, je sais pas si t'es chaude pour faire toujours plus de bénévolat. Je te file les identifiants de mon compte Instagram pour que tu puisses faire des super stories avec les bons hashtags, les bons trucs. Tu sais. Moi, je suis nul, vraiment. J'ai été élevé à l'école Rudy Pomared. Hein, on fait des trucs qui nous plaisent, mais derrière, on sait pas comment les partager ni comment les vendre. Ouais, je sais. On n'est pas des bons communicants et voilà quoi. Il faut faire du fit and fun. Du fit and fun, ouais, du fit les and invités. Fun. Envoie ça à McFly et Carlito. Oh punaise, ça, je sais pas si ça va. Je sais pas ah bah si c'est ça serait darons, pas. Je sais pas si ce serait contre-productif ou pas, en fait, j'en sais rien. Ah bah non. Avoir des gens un peu populaires. Parce qu'ils ont de mauvaises images avec le truc qu'ils ont fait avec Macron et tout ça, donc je sais pas. Si... Mais eux, tu les auras sans doute pas, mais par contre, t'as des darons sur Internet qui sont. Moi, je viserais les darons de ouf sur Internet, ouais, en termes de com'. Tu vois, au-delà du fait d'avoir un compte Instagram, un compte Twitter ou quoi, en fait, je pense que c'est plus de la façon dont certains comptes précis vont parler de ce projet-là et comment ils vont en parler à leur communauté qui va pouvoir te faire... Là, tu vois, je fais déjà du bénévolat pour toi, c'est je te fais une petite séance de consulting de communication de projet. Ouais, puis ça sert aussi aux autres parce qu'il y a... Après, je pense que je vais remonter le replay du coup parce que là, c'est complètement hors sujet. Culture, soirée musique indé avec Hollywood Burns. Ouais, alors, les crowdfunding, je t'explique. C'est intéressant, je pense que c'est des conseils qui servent aussi aux gens. Et puis on sait que justement dans le secteur associatif, souvent on a l'énergie pour faire les projets, mais pas leur communication. Donc je sais quelle problématique c'est, quoi. Moi, j'étais responsable de la com de l'asso AnimaFac. Et je voyais bien les assos étudiantes aussi à quel point leurs projets, ils étaient géniaux. Mais c'était un aspect avec lequel la com, ça passe tout le temps à la trappe. Et j'étais là, mais en fait, il sert à quoi votre projet si personne n'en a connaissance ? S'il reste en sous-marin et que tout le monde passe à côté sans savoir qu'il existe. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, le but, c'est plutôt de mettre l'énergie là où il faut et là où c'est pas trop chiant de la mettre, plutôt que de la mettre dans des trucs qui sont relous pour toi. Effectivement, tu vas faire des posts Instagram, des posts Twitter où tu vas pas t'amuser à faire ça. En vrai, peut-être tu t'amuseras un peu plus à vendre ton projet dans un mail un peu bien tourné à quelqu'un qui est un daron ou une daronne qui peut être concerné par des problématiques comme ça, tu vois. Donc, Non, surtout qu'en plus, il y a toute une culture à avoir sur les réseaux sociaux pour faire de la bonne communication. Parce que moi, concrètement, je bosse tout le temps, en fait. Donc, c'est vrai que moi, de 8h du mat jusqu'à 17h, mon téléphone, il est en mode avion. Parce que je suis avec les gamins en prise en charge et ça gigote et ça bouge. Et il faut être concentré, quoi. Il faut être focus sur ce que tu fais avec le gamin. Et je peux pas... Enfin, en gros, quand je peux faire des posts sur les réseaux sociaux, les gens sont déjà partis, en fait. Parce que Insta, il y a des horaires. TikTok, il y a des horaires. Twitter, il y a des horaires aussi. LinkedIn, il y a des horaires. Même LinkedIn, maintenant. Même LinkedIn, donc voilà. Mais LinkedIn, ça marche bien. Puis peut-être que c'est un projet qui se vendrait bien sur LinkedIn, j'en sais rien. Campagne de financement participatif, je sais pas. Bonne question. Moi, je suis pas une LinkedIn. Je sais pas. Bah, il suffit qu'il y ait deux personnes qui mettent 10 balles. Moi, ça me va. Hein. Ça fait 20 balles de plus dans la cagnotte. Ça fait avancer le truc. Hein. Puis au pire, ça donne un peu de visibilité sur le truc et ils se partagent et ça atterrit ailleurs. Mais j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Beaucoup de personnes m'ont dit partage ça sur les groupes de parents, d'enfants avec autisme et tout ça. Ouais. J'en connais pas. J'en connais pas. Moi, je m'occupe des enfants avec autisme, en fait, mais je fréquente pas ce qui se passe sur l'autre côté. Puis en plus, j'évite un peu parce que. Disons qu'il y a. Après, t'as beaucoup de questions qui arrivent, en fait. Il y a une FAQ sur mon site, rien que pour ça, parce que les gens, quand ils voient mon site et qu'ils voient que je bosse là-dedans, à chaque fois, j'ai les mêmes questions qui arrivent et je suis obligé de répéter sans arrêt que. Non, mais je peux pas te dire, je peux pas te parler. Il y a une question de confidentialité sur ce qu'on fait en institut et je peux pas parler des enfants, je peux pas parler des trucs. Et à chaque fois, je réponds de manière générique à des questions génériques. Quoi. On me demande comment faire pour le dépistage, comment faire pour faire ceci, faire cela. Et comme c'est que des situations spécifiques, parce qu'il y a autant de profils autistiques qu'il y a de gamins autistes.
ça me prend à chaque fois 15-20 minutes de répondre à chaque personne, quoi. Et c'est pour ça que je finis super tard, parce que des fois, c'est... Tu dis, ah, et tant pis, je vais renvoyer, je fais un copier-coller d'une URL vers Autisme France, mais ouais, mais c'est pas exactement. Et le temps que j'explique au gars, ça y est, c'est terminé. Ouais, j'ai mis un quart d'heure. c'est terminé. Et tu les accompagnes de quel âge à quel âge, toi? Moi, c'est de 3 ans jusqu'à 18 ans maintenant. Mais, okay. Même si j'ai fait 2-3 trucs avec des gamins qui avaient 20 ans. Mais enfin, je dis des gamins parce que souvent, il y a une disharmonie des compétences qui fait qu'avec les problèmes de développement. Ils sont grands comme des gamins de 20 ans, mais ouais. Voilà, il y a 2-3 trucs où bah, des fois, il va se jeter sur toi pour te faire un câlin, comme s'il en avait 5. Donc, ça dépend vraiment des gamins. Et, mais en gros, c'est de là où je bosse, c'est de 4-5 ans jusqu'à 18 ans. J'ai déjà fait du tout petit en maternelle à partir de 3 ans. Et là, maintenant, c'est le plus jeune dont je m'occupe, c'est 6 ans. Maintenant, il a 7 ans. Et okay. Le plus âgé que j'avais eu en référence, c'était 18 ans. Il a eu 18 ans en août, là. Donc voilà, c'est très large, c'est très vaste. Et puis, il y a plein de profils, quoi. Il y en a qui ne parlent pas. Ouais. Où là, je vais faire tout ce qui est sur le site, avec de la langue des signes, avec du macaton, avec des pictos, avec du PEX. Il y en a d'autres qui vont parler. Et ils vont parler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Donc, ça va plus être canaliser l'attention sur le travail en cours et les habiletés sociales, etc., pour savoir à quel moment je peux toucher quelqu'un, à quel moment je peux faire la bise à quelqu'un, à quel moment je peux aller parler à quelqu'un. Ça va vraiment dépendre des profils, quoi. Il y en a plein. Et sur les différents troubles qu'il peut y avoir, il y a plein de combinaisons que tu peux faire. Donc après, il y a vraiment une infinité de trucs. Et le contexte dans lequel ils se trouvent, en fonction de leur prise en charge scolaire, etc., pour ceux qui en ont. Donc c'est très, très vaste. C'est très, très vaste. On pourrait faire une chaîne YouTube qui ne parle que de ça. Ouais. Non, mais il y a des gens qui consacrent leur carrière et leur vie. Ils n'ont pas fait le tour de la question quand ils sont à la retraite, hein, de toute façon. Donc, voilà. Donc, bah, je ne sais pas si tu es tombé. Moi, je. Enfin, je sais pas si tu étais tombée sur cette série sur Netflix dont la première saison a très bien marché. Je me souviens que Mademoiselle avait Atypical. Alors il y a Atypical, ouais, bien sûr, mais tu as aussi Histoire d'amour et d'autisme, qui est une sorte de télé-réalité, mais je trouve que c'est un peu vulgaire de le dire comme ça, où une prod accompagne plusieurs personnalités avec sur le spectre autistique, mais qui sont ultra là aussi avec beaucoup de différences, et dans leur début de vie amoureuse. Et du coup, ça fait pas mal de pédagogie justement sur les différents autismes qui peuvent exister, tous les profils. Ouais, c'est cool quoi, qu'on montre autre chose que des gamins qui comptent super vite, quoi. De ouf. Et ça, et le format cartonne, parce que il y a un côté tu suis une personne, en fait, c'est très humanisant. Et ça a beaucoup touché, il y a toute une génération là qui arrive, qui est aussi beaucoup plus ouverte à ces profils qui sont atypiques, et en même temps, moi je dis ça, mais je sais pas vraiment ce que c'est la normalité, tu vois. Et la série sur Netflix, l'émission marche de ouf, à tel point que ils en ont fait une saison 2 là qui vient de commencer. C'est trop et bien. Tu vois, je connais pas, je vais aller jeter un coup d'œil. C'est comment t'as bien. Dit Histoire d'amour et d'autisme. C'est cool. C'est cool, et pour ça, tu vois, que je te parlais de Mademoiselle et tout, c'est que je sais que les lectrices, elles avaient été très sensibles à cette série-là sur Netflix. Donc, en fait, les gens se rendent aussi beaucoup plus compte de ce que ça peut sous-entendre aujourd'hui d'accompagner des personnes autistes dans leur vie. Et enfin, c'est pour ça que ton projet, il a un potentiel de ouf, et il faut juste... Voilà, qui tombe dans les bons, entre de bonnes mains. Ouais, bah écoute, on en reparlera hors ligne quand on aura ouais. l'occasion. De toute façon, je pense que là, de toute façon, les gens qui sont là, je pense que ça les dérange pas qu'on parle de ça, sinon ils auraient déjà racheté depuis longtemps. On a fait beaucoup trop longtemps sur le sujet pour que ça ne les intéresse pas. Moi, je suis arrivée, on a parlé de social alors que vous parliez de prod musicale, et en même temps, c'est parce que le sujet m'intéresse. Donc mais ouais, complètement. Mais après, de toute façon, Tout est lié. Non, mais après, ouais, il y a des gamins qui réagissent à la musique et tout ça. Il y a des thérapies musicales, il y a plein de trucs. C'est la quantité de choses qu'on peut mettre en place pour faire la thérapie. Coralie San, bonsoir. Salut Coralie San. Il y a des thérapies animales, donc la zoothérapie, il y a plein de trucs. Il y a des animaux de médiation émotionnelle, je crois que ça s'appelle comme ça. Et on voyait des vidéos avec des gens qui étaient en crise.
qui se mettaient à se taper comme ça, et des gens des fois qui peuvent vraiment être violents avec eux-mêmes, donc avec des déchicots en moins, des blessures, etc. Et on voit le chien de médiation qui arrive comme ça, qui est dressé pour ça en fait. C'est un espèce de, je crois que c'est un golden retriever ou un labrador. Il arrive, il chope avec les dents délicatement le pull pour tirer la main. Il amène la personne au sol, il se blottit contre la personne et la personne se met à lui faire un câlin à son chien et la crise passe. Et c'est ouf, et c'est ouf de voir à quel point ça fonctionne, quoi. Il y a des trucs comme ça, il y a de l'équithérapie aussi. Il y avait une collègue qui avait son cheval, c'était vraiment une thérapeute qui avait le certif et tout ça, donc qui faisait de la thérapie. Elle avait deux chiens, un cheval, il y a des trucs comme ça où c'est toujours pareil en fait. Il y a un blocage, il y a un handicap, peu importe que ce soit physique ou psychique ou neuronal, ou tu vas choper un chemin différent, tu vas passer par la porte de derrière pour pouvoir accéder à la compétence, quoi. Parce que s'il a peut-être qu'il a la compétence, mais c'est juste qu'en fait, quand tu lui expliques, ça marche pas. La méthode scolaire, académique, elle fonctionne pas, mais en employant une autre méthode, il peut apprendre à communiquer, à s'habiller, à faire ceci, cela. L'émergence du langage avec la langue des signes, tout le monde l'a vu, tout le monde se met à la langue des signes pour bébé maintenant. Parce qu'ils ont vu qu'avec la langue des signes, quand tu faisais le signe, hop, il y avait la parole qui arrivait un peu plus vite. Donc il y a des parents qui font ça en mode concours, mon gamin il parlera plus tôt et machin truc et tout. Et puis il y a d'autres gamins qui ont des vrais blocages et au-delà du fait de faire un concours pour savoir c'est qui le bébé qui parlera le plus jeune, et bah, on va essayer de faire parler cette personne pour qu'elle puisse demander les toilettes quand elle a envie d'y aller. Ouais. Parce que sinon, si elle sait pas où sont les toilettes et qu'elle est dans un endroit qu'elle connaît pas, ça va mal se passer. Si elle peut pas, si elle peut pas les demander et qu'elle sait même pas pointer quelque chose, qu'elle a pas le langage, qu'elle a pas la communication. Donc il y a plein de méthodes comme ça et c'est vrai que ça coûte une blinde, quoi. L'accompagnement coûte une blinde, mais même les outils, quoi. Des simples banques d'images, moi je vois le prix que ça coûte, mais ça, ça me donne des palpitations, quoi. Après c'est vrai que ça a un coût de fabrication. Il y a les graphistes à rémunérer, mais c'est bon, ça, le PEX, ça fait 20 ans que ça existe, même plus. Je pense que c'est rentabilisé depuis longtemps. Les banques d'images, c'est les mêmes. Je suis d'accord. Tu vois les images, tu te dis, mais c'est un peu vintage quand même. Là, les télés ne ressemblent plus à ça maintenant. Faites une mise à jour. Ouais, c'est clair, c'est comme quand tu vas chez l'orthoptiste là, pour les yeux. Les images elles datent de 1990, je crois qu'ils n'ont jamais renouvelé ça. Ouais, et puis ils n'ont même pas adapté. Tu as plein de références anglo-saxonnes. Là, je prenais l'exemple sur le site, mais les ambulances, il y a marqué 911 dessus. Les briques de lait, il y a marqué 1000 que dessus. Donc ils n'ont même pas pris la peine de mettre un coup de gomme sous paint, tu vois. C'est avec la grosse brique carrée américaine, tu sais, le truc. Donc il y a des gamins qui ont du mal à généraliser. Pour eux, c'est pas du lait. Pour eux, c'est pas du lait. C'est pareil, un chien, si tu montres un dalmatien sur une image, si le mec il a un berger allemand chez lui, bah, il va dire non, c'est pas un chien. Ça, c'est une vache. Ouais, ça a quatre pattes, ça a des taches noires, c'est une vache. Un chien, c'est comme mon chien. Donc il peut y avoir des difficultés pour ceux qui ont des difficultés pour la généralisation, ou il peut y avoir des blocages. Et quand tu as un truc un peu trop figé, ou tu n'as pas de ressources pour avoir un truc que tu peux adapter, il peut y avoir des blocages qui sont super cons à contourner, mais si tu n'as pas le matos, tu peux pas, tu galères. Et voilà, quoi. Donc voilà. Oui, Coralissane, ce dont on parle n'a aucun rapport avec le sujet du live. Mais voilà, après je te cache pas, c'est vrai qu'Emeric, j'étais un peu à court de questions. On a tellement tout balancé direct et tout, les dossiers, Médoc Moguri, No Life, Flanders. Non mais c'est ton live, t'as raison de parler de ça aussi. Mais c'est gentil ça. Bah après, de toute façon, tu m'as dit, bon, on en parle ce soir ou pas? Je peux, ah non, le Ulule il est pas sorti et tout, c'est dommage et tout. Moi j'étais chaud, mais j'avais tellement envie de faire. Pour parler de. Attends, de quoi? J'ai pas compris. Du crowdfunding. Du crowdfunding. Ah oui. Tu voulais le partager ce soir, je peux pas, il est pas dispo. Donc voilà, mais c'est pas grave, on le partagera. Puis on pourra faire un autre live. On fera de la musique en direct. Tu composeras en direct, on va faire un truc. Tu vas streamer en live, tu vas jouer du synthé. Bon, n'importe quoi. Ils sont juste derrière, tu vois. Tu vas faire Keyboard 4. Ouais, Coralie San, il y aura un replay, t'inquiète pas. C'est pas grave, je voulais suivre du début pour Emeric, mais j'ai pas pu. Je regarderai le replay du coup, bah parfait. Ouais, t'inquiète pas, on a parlé un peu de tout. On a parlé un petit peu de tout, mais voilà. C'est plutôt,
C'est plutôt complet, je suis content parce que j'avais préparé mes cartouches cette fois, j'avais toutes les vidéos en pause sur YouTube là dans un autre onglet et la magie du double screen, c'était cool, c'était cool. Et toi Marie, c'est quoi les... Bah hé, Marie, fais un peu de com pour tes trucs aussi à toi. T'as une chaîne Twitch de qualité où tu reçois des artistes de musique électro T'as indépendants. vu ça? Mais c'est vrai que c'est ouf parce que je te connaissais pas du tout et du coup, j'ai atterri sur ta chaîne l'autre soir parce que tu faisais un live avec Emric pour l'anecdote. Et j'ai passé un coup de fil à Emric. Et au moment où vous diffusiez le clip et où j'étais en train de me faire tuer par l'alien, et Emric était persuadé que je l'avais appelé pour réagir et pas du tout. C'était vraiment Le hasard. Ah, la coïncidence de le ouf. coïncidence, ouais, le hasard, comme le mème là, avec le gars pendant le World Trade Center. Maikigai, hop, tac, copier, tac. Oui, moi j'accueille des artistes comme Emric. Non, mais en fait, ce qui me plaît, c'est de faire Hop. venir sur ma chaîne des gens avec lesquels je fais des projets ou qui ont voilà que dont j'aime bien le taf et tout. Enfin, tu vois, mais pas voilà pas T'as des fait pas tout, forcément enfin, tu vois, mais des pas célébrités. Moi, voilà pas je m'en des, fiche pas de ça. forcément Ce qui m'intéresse, des c'est d'avoir des pas célébrités. conversations intéressantes avec les gens. Et là, c'était la bonne occasion de faire un peu de d'éducation à l'image, tu vois, d'expliquer comment ça se tourne un clip, quels sont les enjeux derrière. Éducation à l'image et au son aussi, vu que c'est de la production musicale. On a parlé même un peu de, je vous entendais en parler tout à l'heure, des algorithmes et de comment ça a tendance à orienter aussi la création sur YouTube, sur Twitch, même sur Spotify. Aujourd'hui, c'est fou, quoi. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt comme ça, tu vois, à inviter mes potes. Et puis, en fait, le sujet, il dépend un peu de ce que mes potes font à ce moment-là. Bah, c'est Et du sinon, just chatting, hein, c'est ça, podcast, tranquille. ouais, Là, j'ai tranquille. vu, donc, soirée pyjama entre meufs, de quoi rêvent les youtubeurs. Là, Ouais, t'es là, on en a. solo sur le de quoi rêvent les youtubeurs. Ouais, T'interagis avec le ouais, chat. Et... ouais. Ouais, et puis j'ai une émission que j'aime bien, ouais, avec ma meilleure pote Mimi, qui est la rédactrice chef de Mademoiselle, qui s'appelle BFF. Et Bah, effectivement, il y a Mimi, je la toutes connais, les. Mimi, bien sûr. Mais bien sûr que tu la connais, Mimi, que tu as croisée dans les locaux, normalement, Mais bien sûr. Mademoiselle. Ça fait longtemps que j'ai pas mis Oh. les pieds aux locaux, mais ouais, Mimi, puis on est toujours en contact. Des fois, je vois un peu ce qu'elle poste, et ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vue. Bah, il y a eu une Bah pandémie ouais. mondiale, un truc comme ça, je crois. Un truc comme ça, ouais, vite fait. Ouais, la dernière fois que je l'ai vue, on était dans un bar et on buvait des coups, donc ouais, ça fait Ah, longtemps. je te jure. Puis tu sais, en plus, Mademoiselle a été rachetée Oui, bien en sûr, ouais, juillet et tout, j'ai donc suivi il y a quand un an. Florent a donné les clés de la boutique. Ouais, J'ai, Fab, il enfin, est parti, voilà, c'est a donné ça. les clés, il y a eu. Voilà, ça s'est fait. Oh, J'ai bah eu oui, live là, je pourrais même faire un il a raid après. littéralement donné les clés. Ouais, voilà. Mais du coup, il y a le podcast Daron, voilà, il y a des Ouais, trucs puis comme là ça. même il est en live ce Ouais, soir là. Je vous mets celui-là, dans il est en Radio live. Libre. Si tu veux lui Ouais. lancer un raid après, je pense que tu peux. Hein. Vos Ah bah, c'est parti. relations frères et sœurs, Radio Libre. Fabrice Florent. Oh, oui, bien sûr, Fabrice. Mais Hop. oui, tout ça, nous on reste très proches parce que bah de toute façon c'est des sujets qui nous intéressent tous, donc Ah ouais. on Yes. grandit ensemble. Non, c'est trop cool. Allez, Ouais, c'est cool. il est là. Il est présent, Fabrice. Je savais pas qu'il faisait du Twitch. Quand je te dis que je vois vraiment pas ce que produisent les gens, c'est. J'ai du retard sur tout. J'ai du retard sur tout. J'ai une quantité de vidéos. Ici Japon Corp. J'adore les vidéos Ici Japon Corp, mais je dois avoir 3 ou 4 vidéos de retard. Je sais que je les regarderai pas, parce que ça fait 4 heures de vidéos à regarder. Ouais, Ils sont des. c'est Les vlogs, ils rigolent même pas. Il faut que tu fasses. Bah, tu fais comme beaucoup de gens, tu lances Vitesse un fois 2. React. Tu Vitesse fais un fois 2, live ouais. Twitch pour React. C'est comme ça que tu les regardes. C'est comme ça qu'on fait maintenant pour regarder un truc. Ou même quand tu Moi, veux jouer à un jeu vidéo. les vlogs ici Japon, c'est pendant mes pauses Bah déj. moi je les mets. Ça passe bien. Bah après le truc c'est qu'après il y a son équipe qui fait des conneries et tout ça. Donc il y a beaucoup de replay Twitch que moi j'écoute en mode podcast quand je suis dans ma voiture. Donc je mets le téléphone sur le son de ma radio. Et du coup j'écoute ça en mode podcast. Mais non les vidéos ils font les ouf, ils font du paintball, machin, je peux pas. Je vais tenter de regarder le téléphone et je vais avoir un carton, c'est pas possible, moi je peux pas. C'est sûr. Mais ouais. Bah écoutez, bah je vous propose de faire ça. Je vous propose Nickel. de faire un raid chez Florent. On se récupère derrière en backstage sur Google Meet pour terminer la soirée entre nous. Et puis Ouais. voilà, je vais taper la commande. Alors je vous demande juste
de patienter une petite minute, le temps que je lance la commande raid. Merci à tous les gens qui sont venus d'ailleurs. Merci infiniment. C'était trop cool. Merci infiniment de... pour les questions et d'être resté pour nous écouter. Ah, c'était grave cool. Et vous allez chez... on va vous envoyer chez Fabrice Florent. Et vraiment, vous lui, ce que vous faites, vraiment, vous attendez une petite minute pour atterrir sur son stream et vous lui dites tous bonsoir de notre part, de la part de Marie Kigaï, de la part de Laurent, de Laurent de Point de Vue Social, il va savoir qui c'est, ça va lui faire plaisir. Et si ça vous plaît, vous restez avec lui le reste de la soirée, sinon, écoutez, vous vaquez à vos occupations, il n'y a aucun souci. Avec une petite vague de follow, si ça vous plaît, je pense que ce sera de bon aloi. Bien, le bonsoir à tout le monde, 9, 8, 7, 6, 5, bonne 4, soirée. 3, bonne soirée. 2, des bisous, bye bye.